Bonjour à toutes et à tous, ici Yael Polaris et bienvenue dans ce nouvel épisode de la vie de Jim Parks. Et bonjour Altair, comment vas-tu? Aujourd'hui on va essayer d'appeler Levinson. J'ai pas de nouvelles de lui. Il m'a rappelé à midi, on va essayer de le rappeler. Comment vas-tu? Je suis en train d'organiser l'événement le plus fou. Non, le plus incroyable possible. À faire tout ce que je veux. Ça sera. Ça va pas être facile. Faut que je m'acharne. Sera contente, elle croira que je reprends les événements. Combien de chansons? Oui, ouais. Mais tout le monde me pose cette question, j'en sais rien. Combien les gens ils font de chansons en général? C'est pour ça qu'à la base je voulais passer par Mickelson, comme ça. Moi je lui ai demandé un nombre d'heures de concert. Une chanson. Une chanson, ça dure quoi? Entre 2 et 3 minutes? Ou plutôt entre 2 et 4 minutes? Si on prend une moyenne à 3... Il y aurait la place pour 60 chansons, mais il faut aussi... faut pas compter comme ça. On va plutôt compter en quart d'heure. Il est pas rocadet. Non, non, j'ai. Cette fois, j'ai surveillé. Précisément, j'ai regardé. J'ai. Salut Lily. J'ai surveillé et je suis rentré en rocade vers 20h30, je crois, à peu près, quand il y avait 10 personnes en rocade. Parce que bon, je regardais, je l'avais sur mon deuxième écran, mais j'avais pas les yeux rivés dessus, et du coup, tout à coup, je vois qu'il y a 10 personnes en rocade, je me dis hop, 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 hop. Si on considère que. Il y a 3 heures de show. Ah ouais, c'est chaud en vrai. Ça demande beaucoup, beaucoup d'artistes, ça. On considère 3 heures de show. On enchaîne 2 fois 30 minutes? Non, on n'enchaîne pas vraiment 30 minutes. Hein. On fait 15 minutes un artiste. Cinq minutes de... Faut que je fasse un truc, attendez. On va faire ça... on va rentrer dans la ville là, on va faire ça sur un tableau. Pour avoir un planning, parce qu'en fait, il faut faire un planning. Et je me rends compte que ça va être nécessaire si je veux tout caler, si je veux faire des happenings et tout. Tac. Alors, on va rouvrir ça. Ouh. Et ça sera le budget. J'ai rajouté 2-3 trucs, j'ai mis des commentaires là. Là, il y a la liste des gens à voir, on va la dégager. On va mettre un nouvel onglet. Gens à voir. Ah, c'est très bien. Bim, liste des gens à voir. Ah.
arriver. Hop là. Non. Bon, non. Hop là, liste des gens à voir. Et on va faire un nouvel onglet qu'on va appeler planning. Alors, on a besoin de quoi? Heure. Prestation. Durée. Normalement, heure et durée, ça paraît redondant, mais pas forcément. Ça commencerait à 20h. Parce qu'en fait, avec heure et durée, ça me permet de prévoir les marges. On m'a un message. Celui-là, si besoin. On va peut-être l'appeler, en vrai. On va l'appeler, on va voir. Je vais l'appeler. Ils ont des bonnes idées, des fois. Comment vas-tu? Eh ben, tranquille, toi. Bah ça va nickel. Tu peux m'aider si t'as des idées incroyables. Et je sais que des fois vous avez. C'est pas arrivé. Parce qu'en fait, je t'explique le concept. Je veux faire un concert. Ça c'est classique. Mais je vais faire. Bon, on va appeler ça des happenings pendant le concert où il se passe des trucs. Et du coup, je prends toutes les idées de trucs incroyables. Le but, c'est que ça soit incroyable, sans restriction autre. Enfin, la restriction de la légalité, quand même, évidemment. Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà, si tu me dis on peut faire passer des gens en bateau armés d'AK-47 qui tirent en l'air, bon, peut-être pas. Mais au-delà de ça. Voilà, j'ai des idées. En parler parce que du coup si tu viens ça gâcherait la surprise mais si tu as des idées de trucs où tu te dis ah ça serait incroyable à faire, ça a pas forcément, alors ça peut être intégré au concert ou pas du tout, ça n'a pas besoin D'accord. d'être en rapport avec le concert, c'est Ok. juste que bah du coup entre Mais c'est quoi? Ce serait des sessions de, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure? Enfin, si tu vois ça comment en fait? bah justement j'étais en train de me plaindre pencher sur le planning parce que bah, je commence à demander le tarif des chanteurs et ils me répondent tous combien de chansons. Ce qui m'arrange pas trop parce que moi je calcule pas trop en chansons mes plannings. Mais du coup je pense que je vais leur donner un temps et leur demander de tenir à peu près tant de temps en prévoyant des petites marges entre chaque. Parce que du coup si je fais un truc, le problème c'est que si je fais un truc carré comme ça. Faut pas que le chanteur il prenne 5 minutes de plus parce que il a pas réussi à faire ses balances par exemple. Puis c'est surtout qu'il faut toujours des petites pauses où il n'y a pas du tout de musique en fait pour que chacun reprenne un peu, ça s'enchaîne pas non plus. Oui, bah de toute façon faut que l'artiste sorte de scène, que l'autre rentre, qu'il prenne le temps d'installer son matériel et tout. Donc Ouais, je comprends. oui. Sachant que le but c'est de le faire tenir sur 3 heures. 3 heures, ok. 21h minuit. Alors on m'a dit, ouais, au début j'aurais voulu faire à partir de 20h, C'est trop tôt. mais on m'a dit c'est trop tôt, ouais. Ça se vérifie encore ce soir, c'est trop tôt, 20h. Pourquoi il y a un truc ce soir? Ah, je suis plus Il du y tout a dans la les marche trucs. de la Pride qui vient de partir. Ah. Et du coup c'est parti à 20h, mais il est 21h, c'est ça? ok. Bah voilà, donc l'idée, ouais. L'idée, c'est de donner rendez-vous à des gens avant. Ça, j'ai bien retenu ça, qu'il faut pas donner l'heure réelle, mais et puis Oh non, neige, neige, c'est toi. C'est toi, neige. Oh, t'abuses, neige. qu'elle a fait? Elle avait une chanson de Nico. Jim, je te rappelle, je vais pleurer. Ouais, ça marche. À toutes. À toutes. Ouais, il y a un événement ce soir, je savais pas. Attendez, on va sur pop-up.
Il y a l'aéroport de Sandy-Shore qui est fermé demain aussi. Arche des fiertés. 16 des cubes, Black Cat. Départ 20h30. Ah oui, d'accord. Concert, il y a le Jack dès 21h45. 21h45. Ah, c'est un tout petit concert. Ou alors c'est moi. Ou alors 3h, c'est très long pour un concert. Bon. Du coup, pendant qu'elle fait ça, je sais pas pourquoi je me mets là pour téléphoner. C'est mon lieu de téléphone. Quand les gens m'appellent, je vais à la cuisine. Un truc. Ouais, il y en a maintenant ce soir, je savais pas, Jim Parks 2024. Oh bah 2023 aussi, hein. Non, mais quand je faisais du cookie event, je surveillais. Quand je faisais de la mairie, je surveillais un peu quand j'étais conseiller, beaucoup moins quand j'étais maire. Par contre, là, je surveille plus rien du tout. Je lis même plus Weasel News, rien du tout. Enfin, c'est terrible, hein. Il n'y a plus rien. Enfin, vraiment, je suis complètement déconnecté de la vie de la ville. 21h prestation, on va dire. McDouglas, parce qu'on a dit qu'on essayait de faire McDouglas en chauffeur de salle. On lui demande 2-3 chansons, parce que le problème, c'est qu'il faut des chansons. Il faut pas la chenille, quoi. Il y a peut-être. Allez. 2-3 chansons. Si une chanson ça dure 3 minutes, ça fait 6. 3 chansons ça fait 9. On dit 10 minutes. Ouais, allez, on va faire ça comme ça. 10 minutes. 21h15. Bam! On met un happening. Ou alors on fait passer le. Non, j'allais dire on fait passer les médecins, mais le problème c'est que si je fais passer les médecins, si je fais passer les médecins juste après le chauffage de salle, comme ça va être un discours en gros, ça va être un passage, mais ça va plutôt faire retomber la sauce qu'autre chose, donc il faut que je le mette après la deuxième chanson, je pense. 21h05, il faut qu'on fasse un happening. 21h15, pardon, on fait un happening. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans une couleur tout ce qui est concert. En bleu, pour pas mettre du vert tout le temps. En bleu, c'est les concerts. Comme ça, on regardera la durée qui est là. On va même mettre que la durée en bleu. Et on va mettre un bleu plus clair pour pas que ça soit trop, que ça cache trop le noir. Et on regardera combien j'ai besoin, du coup, comme ça, pour chaque prestation. Ou alors je fais mon discours à moi. Mais non, mais c'est pareil, faire un discours... Ou alors je fais un discours à 21h et ensuite j'enchaîne par McDouglas. J'ai envie de faire un discours. Je sais pas ce que je vais mettre dedans, mais j'ai envie de faire un discours. Après, on peut déjà remercier les gens, tout ça. Ouais, on va plutôt faire ça. Hop, on annule la couleur. Discours d'introduction. On va faire ça grand. Et hop, les prestations. On va laisser de la place. Dix minutes de discours, par contre, c'est mort. C'est 5 minutes le discours. Hein. Déjà, parler 5 minutes, c'est pas mal. Enfin, on verra. Ça va être compliqué. Quand je vais devoir décaler, je vais devoir tout décaler. Ça va être terrible. Et du coup, on dit 21h10, McDouglas. Pour 10 minutes. Hop là, voilà. Et évidemment, 21h05 plus 5 minutes, ça fait pas 21h10, mais c'est parce qu'on se laisse de la marge. Marge qu'il faudra combler d'une façon ou d'une autre. Mais on verra. On va peut-être essayer d'appeler. Attendez, on va essayer de passer les coups de fil avant, tant qu'il est tôt. On va essayer de rappeler Levenson. Hello. Et bonsoir, monsieur le gouverneur, comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va
ça va. Je vous appelle, Neige m'a dit qu'elle vous avait eu entre deux, donc vous êtes a priori à moitié au courant ou complètement au courant de ce dont je voulais vous parler. A priori, oui. Donc ça serait, dans l'idée, c'est de faire un événement sur le yacht, quelque chose qui n'a jamais été fait jusqu'à présent. Je vous avoue que je suis pas sûr de la juridiction exacte, parce que techniquement c'est dans le sud, mais comme c'est dans les eaux, c'est même pas sûr que ça soit dépendant de la mairie. Ouais, je suis pas sûr non plus, ouais, je vous dis honnêtement. Donc, de toute façon, j'ai été en mairie qui m'a dit, je sais pas trop, nous, on n'a pas de contact particulier avec le yacht, le propriétaire du yacht, j'en sais rien. Ouais, c'est ça, en fait, personne n'a de contact et personne ne sait qui est vraiment propriétaire. Et du coup, je me demandais si vous, en tant que gouverneur, vous aviez pas moyen de faire la demande. Bah après, si c'est pour un projet particulier, moi je peux faire une demande, mais... C'est pour projet particulier, c'est pour un événement qui serait normalement un gros événement si j'arrive à faire tout ce que je veux. Globalement, ça sera sur une base de concert, mais je prévois entre chaque... Pour le moment, je vais dire, je prévois qu'il y ait des happenings en plus du concert entre les différents artistes. Je ne sais pas si j'arriverai à encadrer assez pour que ce soit entre chaque artiste, mais... C'est l'idée. Est-ce que vous pouvez me présenter un document que je puisse le transmettre dans ce cas-là, si c'est pour un événement? Alors, oui, je peux. Le problème, c'est que je suis en train de l'organiser. Je suis en train de contacter toutes les parties. Les parties, il y a des personnes qui pourront plus ou moins intervenir si ça se fait sur le yacht ou pas. Parce que je prends l'exemple de... Dans tout ce que je voulais faire, il y a une entreprise de voltige aérienne. Sauf que la voltige aérienne, il faut que ça soit un endroit relativement libre, comme par exemple au milieu de l'eau, c'est très bien. Si maintenant le projet ne peut pas être mis en place parce que le yacht ne peut pas être loué, bah, du coup ça fait sauter la voltige par exemple. Ouais, mais après ça n'empêche pas de faire le dossier, document plutôt qu'un dossier, mais en comprenant cela, et si vraiment ce n'est pas possible, ça ne sera pas, quoi, mais le présenter dans le truc, quoi. Ok. Je vous fais... Ouais. Vous voulez un document... Ouais, ça n'a pas besoin d'être un document de 72 pages, hein. Oui, non, ça sera de toute façon... ça sera une page ou deux, hein. Il n'y aura pas plus. Oui, pas non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que vous voulez un document estimatif ou vous voulez vraiment quelque chose qui se ferait, c'est sûr, si jamais j'ai le yacht, parce que... Bah, en fait, non, l'idée, c'est de... présenter ce qui se ferait si vous avez le truc, quoi. D'accord. Ok. Et ben je travaille là-dessus. Je dois pouvoir l'avoir sur le site, j'imagine. Je crois qu'on s'est envoyé des mails à la passation aussi à la mairie, il me semble. Ah, mais c'est possible. Je crois. Je vais voir si j'ai ça. Oui, effectivement, j'avais dû vous envoyer les accès. Je pense qu'on s'était changé de mail à ce moment. Donc oui. Pas de soucis. Dans ce cas-là, je vous enverrai sur cette adresse-là le document dès qu'il sera fait. J'essaie de faire ça rapidement. On est mercredi. Ouais, pas de soucis. Comme ça, vous pouvez le présenter. L'idée c'est de faire une location, donc s'il y a un paiement à faire, je fais le paiement, hein, c'est pas un souci. Ouais, pas de problème. C'est pas une demande de location à titre gratuit. Pas de souci. C'est juste que j'aimerais un espace aérien. J'aurais bien loué la Maze Bank sinon, mais j'aimerais un espace aérien, donc la Maze Bank c'est fermé. La Maze Bank, c'est plus facile à louer, mais. Ça limite. L'espace aérien, c'est compliqué, ouais. Ça limite beaucoup ce qu'on peut y faire. Enfin, disons qu'il y a beaucoup de possibilités, mais ça enferme d'autres. Donc voilà. Sinon, ouais, effectivement, ouais. Avec plaisir. C'est au cas où. Hein, au cas où. Ouais, ça marche pas. C'est 10 000 dollars la location, c'est ça? Un peu plus. 50 000? Un peu plus. 100 000? 75, hors asso. 75. Avec une asso, c'est 50. D'accord. Oui, je le ferai à titre privé, a priori. Ok, pas de soucis. Je m'y pencherai si ça passe pas pour le yacht et que je trouve pas de solution alternative. Ça marche. Très bien, merci beaucoup.
Merci à vous. Et bonne soirée. Bonne soirée. Un peu plus, un peu plus. 75 000, bon, c'est un budget. Je vais le noter dans mes budgets. J'ai pas une nouvelle de Balbo d'ailleurs, j'espère qu'il est pas en congé. Parce que je lui ai envoyé un message. Location. Mais. Bon, on va pas mettre location, on va remarquer Maze Bank. Unité. À la journée, hein. La Maze Bank, on la loue pour la soirée, faut pas déconner. Prix par unité, donc on a dit 75 000 à titre gratuit. Nombre, une seule, ça suffira. Prix total, je peux peut-être vous le afficher au passage. Bam. Là où vous suivez. Prix total, bah du coup c'est toujours ça plus ça. Hein. Non, fois ça d'ailleurs. Et ça, on peut le baisser comme ça. Hop. Hop. Hop, ça nous rajouterait 75 000 dollars. Ah oui, mais je vais pas le compter pour le moment parce qu'on prévoit pas de le faire. Ça se met pas à jour du coup. Bah. Ah, parce que la somme s'arrête avant. C'est terrible cette histoire. Ah, il y a les sentinelles qui se tirent dessus. Bon, on va se remettre dans le canapé et on continue pour le planning. Alors, tac, tac. Donc. Parce que du coup, il va falloir lui faire un document. 21h10, McDouglas, 10 minutes. On va envoyer un message à Ginny. Contrairement, mon temps en chanson. Ça fait quoi? Quoi l'équivalent 3 chansons. Pour 10 minutes. Minutes, 5 chansons, est-ce que ça marche 5 minutes? Ouais, c'est ça. Quoi l'équivalence? Hop. Un message à Eliana aussi, ça fait longtemps qu'on lui a pas envoyé un message. Hop là, donc est-ce que j'ai des appels? Non hein. Dylan, Son, Colette. Colette, faut que je la rappelle. On va essayer d'appeler Colette. Tiens. J'ai du mal à m'y mettre au planning, mais parce que je sais pas exactement. Enfin. Allô. Et bonsoir, Madame Villeneuve. Oui, tout à fait. Jim Parks, je vous appelle parce que Neige m'a parlé de vous. Elle m'a dit que vous étiez artiste et même chanteuse. Oui, tout à fait. J'aurais aimé savoir. Je prévois un événement bientôt. J'aurais aimé savoir déjà si vous seriez intéressé par un concert et ensuite quel type de musique vous faites exactement. Parce qu'elle, c'était un peu flou. Ah, d'accord. Ben là, essentiellement des reprises pour les soirées cover. D'accord. Voilà. Et puis voilà. Après, d'accord. c'est un peu tous les styles. D'accord. Si je vous propose de chanter et que je vous dis ah, vous pouvez venir chanter, est-ce que vous avez des choses à proposer? Vous avez des choses à proposer?
Alors, ce ne sont pas des compositions originales, mais après, voilà. Après, ça dépend Bah, où, quand pas, est-ce c'est que c'est, pas. si j'ai le temps de faire quelque chose ou pas, mais... Alors, pour le moment, j'ai deux dates, parce que ça dépendra de la rapidité avec laquelle j'arrive à voir le lieu. Ça serait soit le 5 juillet, donc dans 2 semaines et demie, soit le 19 juillet, donc 2 semaines après. J'aimerais bien que ça soit le 5, mais voilà, j'essaye de faire quelque chose d'un peu, on va dire d'un peu original et d'un peu différent. Du coup, c'est pas facile. A priori, moi je. Oui, pourquoi pas. Après, si vous avez besoin de quelque chose en particulier, sur un thème en particulier, je peux voir ce que je peux faire. Pas vraiment, je vais essayer d'avoir enfin je vais essayer d'avoir plusieurs artistes si possible avec des styles différents pour justement avoir un peu de variété, c'est bien aussi, il n'y a pas forcément de thème particulier. Si ça peut être pas trop triste, c'est bien parce que l'idée c'est de faire la fête. D'accord, oui, mais il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, je dis ça, mais j'ai peut-être booké quelqu'un qui fait des chansons pas franchement fun, mais mais c'est pas grave, c'est bon, bref. Voilà. Plutôt, on va dire que c'est l'idée, c'est plutôt de faire la fête. Ok. Voilà. Et je sais pas, alors je suis pas. J'ai organisé énormément de concerts jusqu'à présent et je me suis surtout reposé sur des gens en termes de temps par chanson. Généralement, vous êtes plutôt booké au nombre de chansons ou au temps? Parce que moi, un nombre de chansons, on me demande ça me parle pas trop. Oui, c'est autant en général. D'accord. C'est plutôt, j'imagine, Oui, aux c'est alentours de 10-15 minutes. ça, 10-15 minutes par personne, oui, en général, c'est comme ça. Après, il y a Saga qui gère, parce que moi je suis dans l'autre entreprise du coup de Saga. Ouais. Bah, Et qui alors, s'appelle. j'avais contacté Pickleson. Le problème, c'est que j'avais pas vraiment de date à lui donner, donc c'était pas pratique. Et je lui ai dit que je le recontactais dès que j'ai la date, donc faut que je le rappelle. Sachant que j'ai toujours pas tout à fait la date. Oui, après c'est compliqué aussi. Mais voilà, mais très bien. Mais effectivement, c'est bah, c'est aussi. Alors, l'idée, c'est aussi que au plus tôt je préviens les artistes, au mieux c'est, pour qu'ils aient le temps de préparer les choses s'ils veulent préparer des choses. Si vous avez des choses déjà prêtes, moi ça me va, hein, il n'y a pas de. J'ai pas, voilà. Comme il n'y a pas de thème, s'il y a Oui, des c'est choses qui juste existent après que déjà. ce soit un moment festif, quoi. Voilà. Bon, voilà, Bon, c'est après, ça. moi, ça me dérange pas aussi de voir avec Neige pour faire quelque chose avec elle, vu que ça peut se faire. Pourquoi pas? Elle m'avait dit qu'elle était pas sûre d'avoir le temps de préparer un truc de son côté, mais peut-être que du coup, si c'est en duo, ça sera plus. Ouais, Oui, ça prend moins de bah temps, après, j'imagine, par faut personne. voir quoi. Oui, c'est ça. Bah après, je sais pas qui vous allez contacter, mais moi, j'ai déjà chanté avec Jackie aussi. Alors, j'ai plein de noms, et à la limite, si vous en avez d'autres, pourquoi pas. J'ai Ginny, qui va chanter normalement, et après, dans toutes les personnes que je souhaite contacter mais que j'ai pas encore contacté, il y a les Daft Punk dont m'a parlé Pickleson, il y a Milalo éventuellement qui chante depuis un petit moment aussi en ville, bah, Jackie Hudson justement. Je pense demander à Mac Douglas s'il veut bien faire le début parce que je pense que c'est bien pour lancer une soirée. Oui, bah oui. Et après, on m'a parlé de Légion, mais apparemment ils sont difficiles à contacter et je sais pas si ça sera. Je suis pas sûr de la musique parce qu'on m'a dit que c'était plus de la musique rave. Alors j'ai peur que ça soit Ouais, c'est un un peu peu agressif. électro, mais oh, c'est pas si Non, c'est pas agressif que ça. agressif. Hein. Non, non, non. Et bah pourquoi pas, si j'arrive Peut à être les sympa, contacter. il fait des choses bien, ouais. Sachant que je pense que Louisel doit avoir contact avec eux puisque. Ils avaient fait des articles sur eux, il me semble à l'époque. Mais peut-être Oui, que je me trompe. peut-être oui. Voilà. Après, j'ai une artiste qui, je pense, n'a pas chanté depuis longtemps, mais que j'ai réussi à voir. Je suis très content. Et j'ai un duo surprise dont je laisserai la surprise à absolument tout le monde. Mais ça, c'est bien.
voilà, est-ce que par rapport à tout ça, alors c'est, il y a beaucoup de gens, je dois les contacter, hein, ils m'ont pas dit oui, donc. Oui, oui, bah après ça dépend beaucoup des dates aussi, parce que là, oui, avec oui. juillet. Ouais. C'est difficile pour certains, oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que vous avez en tête que j'ai pas citées, qui sont chanteurs que je connaîtrais pas peut-être et qui sont encore en activité évidemment, parce que il y en a quelques-uns qui sont partis malheureusement. Il y a Jenna. Après, il y a qui aussi j'entends sur le là-dessus. Hop. Il y a Jack Knox aussi qui fait de la guitare hein, et qui chante. D'accord. Bah, je sais pas après si vous allez, je crois qu'il se produit pas mal au scène ouverte du Yellow le jeudi. Ils sont là-bas. Ok. Il y a Anne-Lee aussi qui chante. Oui, alors pourquoi pas, mais il y a eu un problème. Alors, il y a eu un problème à un concert privé qu'avait fait le Bénise en termes de, on va dire de sensibilité d'oreille avec quelque chose qu'il a fait. Donc, je suis pas sûr. Oui, oui. Ouais. Voilà. Ouais, non. Après, je vois pas là comme ça. Ouais. Ok, ok, ok. Dans les deux, il y a Jenna et puis Jack Knox, ouais, que voilà. Okay. Qui viennent là, qui font les concerts en général à chaque fois, donc. Et bah parfait, bah, je verrai. Rapprocher d'eux aussi, j'ai vu qu'il y avait un concert ce soir aussi, ça serait l'occasion de passer voir qui chante. Oui, il y en a samedi aussi. Bah, dis donc, ça reprend fort les concerts. Il y avait un petit moment où. oui, bah là il y avait la période de creux, c'est vrai. Quand ça, vendredi? Non, samedi. Samedi, ouais, pour la fête de la musique. Oh, c'est pas noté sur le. Bah oui, c'est terrible. Bizarre, mais oui, il y aurait un concert samedi. D'accord. Ok, et eh bah j'essaierai d'y passer. Peut-être. Si je peux. Ok. Et bah parfait, bah voilà. Bah donc je note, après pour ce qui est du paiement, si c'est plus simple de passer par Saga, moi je passe par Saga, c'est pas un souci. Moi c'est Saga qui gère, parce que bah, pour l'instant c'est comme ça, donc ouais. J'ai pas d'autre entreprise, donc voilà. Et, ah oui, du coup, oui, voilà, t'es obligé de... Ouais, oui, okay. Voilà, ouais, c'est ouais. Ça, donc c'est Saga qui gère, ouais. Ok. Et ben, je passerai par là, c'est pas un souci. Très bien. Et ben, je vous souhaite une bonne soirée. Oui, merci. Et puis, n'hésitez pas à me recontacter quand vous avez plus de nouvelles et que ça se confirme, quoi. Pas de souci. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Ok, Colette Villeneuve, allez plutôt. Ok, je vais pas demander ses prix, mais c'est pas le plus important. Allez. Plutôt ok. Bim. On repart sur le planning. Et cette fois, on va rester là. On va le faire pour de vrai. Et après, on va au concert parce qu'on veut voir qui chante et on va essayer de repérer un peu et de parler aux artistes après coup. Tu. 21h10, 10 minutes, ça donne 21h20, donc on dit 21h15. Ah, je pourrais même faire une affiche. Je pense que je vais... Ah, c'est ça qu'il faut que je fasse. Alors attendez, hop, on va passer là. Il faut qu'on trouve des gens qui font des affiches. Il faut qu'on les paye. Folan, je crois qu'il avait fait les affiches pour Pat. Je peux peut-être voir avec lui s'il le fait en plus de la photo. Ouais. Daisy, elle fait de la communication visuelle.
ou il fait Green, Justin, Justin Green, ça doit être un mec. Il y aurait un E sinon. Evendou. Ah oui, ça j'avais été voir, je sais pas trop, j'ai pas trop compris. Institut de sondage, non. Ulsa, non. Céleste Emploi, non. Adams Création Publicitaire. Solution publicitaire sur menu. Oh, bah c'est parfait ça! Pour organisation ou particulier, concept d'affiche, création de fond d'écran, gna 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 gna. Allez, c'est parti. On part là-dessus. Donc, je pense pas l'avoir. On va regarder à Adams avec 2Z, avec 2D. Bon, on va... Adams, création, pub. Pub. On va juste mettre pub, c'est déjà créa pub, on va mettre même, parce qu'il y a un moment, hein. Malakia Adams. 46 98. Pas évidemment. On a qui d'autre? Ah, il y a encore des trucs qui sont ouverts. Hodge, Ginny Hodge qui fait de la photographie. Et Davis Numbers, de Leonard Davis, l'ancien gouverneur, qui fait de l'aide à la gestion d'entreprise, comptabilité, outils de gestion. Ah ouais, il est vraiment full administratif. Bon, on va envoyer un message du coup à Adams. Bonsoir, Madame Adams. J'aurais besoin... affiche publicitaire, mettre un S pour, alors le truc c'est que si on le fait le 6, il faudrait que je commence la pub le 22, c'est quand même méga chaud, je pense qu'on va faire ça le 20, hein. Ça m'embête parce que je serais bien parti le 6, parce qu'après moi je vais être absent à un moment autour du 14 juillet et j'aurais préféré qu'on termine avant que je sois absent, parce que là du coup ça veut dire que je vais être absent et je reviens pour partir. Pas très optimisé ça en termes de gestion du temps, mais si je veux faire 2 semaines de pub, faut que je commence le 22, c'est chaud. J'aurais besoin d'affiches publicitaires pour un événement prochain. Êtes-vous toujours... êtes-vous disponible pour prestation? Merci. Jim Parks. Hop là, ça c'est fait. Ensuite. Ensuite, on va essayer de voir quand même. Hop, on va essayer de voir ça quand même très rapidement. On va faire, c'est qu'on va prendre le budget, on va prendre ces gens là je vais mettre Tanley entre parenthèses, parce que comme je disais, en fait pendant un concert du Beniz, il avait fait des musiques qui, plus elles allaient, moins elles étaient modifiées, et il y a eu des gros doutes. Je crois pas avoir été cut sur mon stream, mais je crois que d'autres personnes l'ont été, donc voilà, dans le doute ça m'embête un peu. Après il suffit que je lui dise je peux pas, hein. Si je lui dis ne le fais pas, le fera pas, je pense. Mais voilà. Mais c'est une possibilité en fin de... Je vais quand même le mettre. Je vais quand même le mettre. Après, il y aura G6 sur place et tout. Héloïse et Miguel. Je vais les mettre un peu plus bas, là, par là. Mac Douglas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... On va mettre une ligne sur deux des artistes et puis on fera des insertions après en fonction. On a dit Légion plutôt en fin de soirée avec Anne-Lee, parce que c'est plutôt de la... Quoique Anne-Lee, ben c'est plutôt DJ. Pff, si c'est plutôt DJ, moi je trouve que c'est plutôt des musiques de fin de soirée. Ou alors il faut que ce soit un événement full DJ. Mais vaut mieux commencer sur de la chanson et terminer sur de la musique.
je pense, que de commencer sur de la musique et de terminer sur de la chanson. Colette Villeneuve, allez, ok, on la met là. On s'en fout un peu. L'ordre peut changer, hein, c'est pas important pour le moment. Jackie Hudson. Ouais, si, on va la mettre là. Je suis quand même en train de réfléchir à l'ordre. Ensuite, on met les Daft Punk. Ensuite, on repart sur de la chanson. On met Jackie Hudson. Milalo, je la garde. Je pense pour les VIP, si je fais toujours un truc VIP. Jenna, je sais pas qui c'est. Jack Knox, je sais pas qui c'est. Je l'ai, Jenna, je l'ai déjà entendu, je crois. Mais je les connais pas bien. S'ils peuvent être là ce soir, ça serait nickel. Héloïse et Miguel, on va les faire passer l'un après l'autre. Comme ça, si jamais ils veulent rester en groupe, ils peuvent venir en groupe et ils peuvent passer chacun leur tour. Donc on dit qu'ils passent là. On fait quand même une pause entre deux, mais je sais pas pourquoi. Mais on fait une pause entre deux. Et Milalo, je vais la mettre tout en bas là. Et je vais dire... Ici une ligne. Non, qu'est-ce que j'ai fait ? Hop. Non, bah là en fait. Terre. VIP. Parce que pour le coup, une chanteuse qui fait du... Vraiment du... La voix, je pense que c'est mieux en VIP qu'un DJ, par exemple, qui fait quand même plus... enfin voilà, je trouve que ça donne un côté prestige, alors qu'un DJ, ça donne un côté on s'ambiance, on fait la fête. Si on fait ça, et qu'on demande 15 minutes par personne, j'aimerais bien demander 15 minutes par personne. Sauf Miguel, et ils m'ont dit qu'ils faisaient deux chansons, on va dire que c'est 5 minutes. On est à 80 minutes plus 10 plus juste 10, on est à 90 minutes, donc on est à 1h30. Si je veux que ça dure 3 heures, c'est pas mal, parce qu'on a dit qu'on mettait des happenings entre deux qui prenaient du temps, et je mettrais bien un entracte quelque part aussi. Par exemple, là, on a dit après la deuxième chanson, on mettrait le message des médecins. Qui durerait 5 minutes. Alors c'est ça le problème, c'est que par contre les chansons durent beaucoup plus longtemps que les entractes. Ça dépend de l'entracte. Mais là, on pourrait mettre la voltige aérienne. Non, la voltige aérienne, il faut qu'elle arrive à la fin, parce que du coup, il peut faire la voltige aérienne, se poser sur l'eau, et je pars avec. Et lui, il repartira avec des taxis, on verra, on trouvera. Est-ce que je termine vraiment sur Miguel ? Si, parce que comme ça, je peux lui dire qu'il sera le clou du spectacle, il sera content. Mais du coup, ça veut dire que la mano est sur le yacht tout le long. Parce que je pense qu'ils vont venir assister au concert. Ils sont là tout le long. Je sais pas. De toute façon, si Héloïse est là, ouais, bon, c'est bien. Allez. Ok, donc ça fait 90 minutes en tout. On va le mettre dans les commentaires. On va le mettre là à côté. 90 minutes de chansons en tout. Sachant qu'il reste Jenna et Jake qu'on pourrait rajouter, et Anli et Légion que j'ai pas mis, parce que Légion, je sais pas si je vais les contacter. Anli, faudra que je joue avec lui. Eux, je les connais pas, donc il faut que je les contacte. Bon, eux aussi, hein, y a peut-être des gens qui vont me dire non, mais ça me permet de les rajouter. Et si je les rajoute, ça me permet soit de combler le fait que les entractes soient plus petites, soit descendre à 10 minutes si jamais il y a trop de monde. Tac. McDouglas. Qu'est-ce qu'il faut qu'on rajoute ? Il faut qu'on rajoute une entracte. 1, 2, 3, 4. Avant Ginny ? Non,
juste là, en tract. Ce sera une entracte où on pourra leur dire restaurez-vous, tout ça, tout ça. Et ça, ça durerait 15 minutes d'entracte, c'est bien, ça permet aux gens de parler un peu. Parce que 10 minutes, c'est très court en fait. Ça permet aussi aux gens d'aller aux toilettes, tout ça, s'ils ont envie. voilà, ça peut être pas mal. Là, il me manque un truc du coup. On va faire un truc pour de la lisibilité. Je vais les coller à droite, les artistes. Voilà, comme ça, je vois bien ce que c'est mes entractes et c'est un peu plus clair pour moi. Et là, du coup, j'ai dit que la voltige aérienne, c'était à la toute fin. Une prestation de 15 minutes, il m'a dit qu'il faisait. Donc on va considérer que ça dure 15 minutes. On va considérer que ça dure 15 minutes. Et je peux pas le rajouter, mais du coup, a priori, après ça, c'est la fin. Ah non, faut quand même terminer sur un concert. Faut pas terminer... Bah, on va la mettre... Ah oui, mais est-ce que je vais partir sur... Est-ce que je vais partir sans écouter Miguel chanter? J'ai quand même envie d'écouter... un chef de gang chanter avant de partir. C'est-à-dire qu'il faut que je mette quelqu'un après. Et on part sur un DJ. Donc au pire, Daft Punk, je les décale là. On va mettre Légion. On va mettre Légion. Et on va considérer que Légion vient. On verra. On réorganisera s'il faut. Et du coup, ils peuvent faire 15 minutes ou 10 minutes. C'est pas très... Ce serait une honte. Ouais, on est d'accord. Hein. Faut pas faire ça. Tac, tac, tac. Et du coup, on se rajoute 15 minutes. Ça fait... on était à 1h30. On passe à 1h45 de chanson. Et il faudra que j'ai un assistant dans le public à ce moment-là, parce que du coup, je vais donner le micro à Légion. Et je vais me casser. Et du coup, il faudra la rendre au Black Cat. Donc ça veut dire qu'il faut que j'ai quelqu'un, j'ai un infiltré qui m'aidera, bah Neige, hein, si elle est là, mais... il faudra que j'ai quelqu'un pour m'aider, pour récupérer le micro. Et normalement, j'aurai payé tout le monde, donc ça devrait aller. Ça, théoriquement, si tout va bien... Ça, c'est à 23h45, si tout va bien. Si c'est un peu plus tôt, c'est pas grave. Hein. Si ça finit un peu avant minuit, c'est pas grave. Mais c'est l'idée. L'idée, c'est que c'est au plus tard, il faut que ça soit 23h45 pour qu'à minuit, ça soit terminé avec Légion. Et ensuite, il y aura du coup... On va faire ça comme ça. Hop. On supprime. Là, on va mettre départ. Départ public plus entrée VIP. Donc le public s'en va, les VIP s'installent. En vrai, le départ public risque d'être très long, mais l'entrée VIP, il faut qu'ils aient 5 minutes d'attente, je pense, max. Ou 10 minutes. 10 minutes, comme ça, ils ont le temps de parler un peu entre VIP. Milalo. Donc ça, ça veut dire que là, on est à minuit. Milalo, elle arrive à minuit 10. Elle chante. Elle n'a pas besoin de chanter autant que les autres. Parce que du coup, comme elle chante pour un public réduit, elle peut chanter moins de chansons. Elle peut chanter 5 minutes, par exemple. Ça fait minuit 15, parce qu'après, il faut quand même les ramener, tous ces gens. Départ, VIP.
Et du coup, Ellie part avec toi. Non, Ellie, Ellie, elle a prévu de rester un peu. Je sais pas jusque. Bah, on verra parce que si c'est fin juillet, peut-être qu'elle partira avec moi, mais je pense qu'elle veut elle veut passer l'été sur le serveur. Bah, elle me rejoindra plus tard quand elle aura décidé de partir. Départ VIP, 15 minutes max. Là, je mets max parce que bah, après, les taxis, ils se barrent, quoi. Mais bon, après, c'est des VIP, hein. Ils appelleront des gens qui ont des hélicos qui viendront les chercher. Ils rentreront à la nage. Hein, faut pas qu'ils rentrent à la nage. Ah, super. Bah ouais, non, mais à la base, je voulais. Mon excuse, c'était de partir pour la récupérer, mais enfin pour aller la voir et rester avec elle. Mais elle est revenue entre deux, donc faut que je trouve. Enfin, faut que je trouve une excuse. J'ai une autre excuse. J'ai une autre excuse. Je dirais que j'ai cherché du boulot là-bas pour la rejoindre, que j'ai trouvé le boulot, mais que finalement elle est sortie, mais j'ai quand même le boulot, du coup j'y vais quand même, et puis du coup, voilà. Ok, on est pas mal. Donc il manque ici. Alors il y a le feu d'artifice. Ah, le feu d'artifice après Héloïse. Ça serait incroyable. En considérant qu'on va avoir le feu d'artifice. Hein. Bien sûr, l'idée c'est que. L'idée c'est que faut qu'on puisse avoir tout ça. Faut que j'appelle Parnasse. Et puis après, on. Feu d'artifice. On va dire 10 minutes. Parce qu'en vrai, ça durera pas 10 minutes. Mais. Non, c'est 5 minutes. Mais il faut que je laisse de la marge. Parce que il faut laisser les gens souffler. Il faut pas que ça enchaîne directement après le feu d'artifice. Par contre, si ça peut se tirer pile quand Héloïse termine. Mais je sais pas si on peut si ça va être programmé ou si on peut appuyer sur un bouton pour le démarrer. Ah, je pourrais essayer d'appeler l'ASA aussi. Et de leur demander s'ils ont une idée dans les associations événementielles là. Oh, chasse et pêche. Chasse et pêche qui est devenu premier, tiens. Pourquoi il est remonté premier? Ils ont repris le chasse et pêche qui existait parce que ça existait chasse et pêche. Est-ce qu'ils ont fermé chasse et pêche et que du coup ils ont juste rerouté? Je pense que oui. Le Fight Club, Grand Angle. Ah, on pourrait prendre des. On pourrait prendre des. Hey, Villeneuve-Colette! On pourrait prendre Follan aussi en photographe de l'événement, histoire d'avoir des souvenirs de l'événement de la fin de Jim Parks. Là, ça. Association sportive. Ah, sportif, c'est compliqué. Association de sport d'endurance. Disons, qu'est-ce que c'est sportif? Moto, moto. Amicale de la picole. L'UNA, Women Solidarity, Goldie Event. Essayer d'appeler Goldie aussi. Hey, Jack Kingston. Ouais, il y a trois numéros, il y a deux noms. Ok, en association, il n'y a pas grand-chose. Je peux toujours poser la question si ils ont un truc en tête. Bon, on va au concert. Hop là. Et pendant le concert, je regarderai peut-être. J'aimerais bien avoir un planning un peu carré. Comme ça, je pourrais envoyer le planning un peu carré dans le. Ou pas. Je sais pas si j'enverrai le planning en fait. Si on va. Ah non, attendez. Alors, si on va au Yellow, faut qu'on prenne un truc off-road. Mais on va y aller en moto. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été en moto. J'ai à manger à boire. Oui, au pire, je serai au Yellow Jack.
Je devais appeler Folan aussi. Ah, Polan, mais... Je n'appelle plus Polan, je crois. Dimitri Polan. Je sais plus son nom. Il a changé... Levinsky ou un truc comme ça. Il a un nom à consonne... ski. Et bah, il répond pas. On lui enverra un message quand on sera plus en moto. Et j'oublie pas. Faudrait que j'appelle Parnasse aussi. Parce que pour les feux d'artifice, je vais être obligé de passer par lui. Et je devais lui poser une autre question. Les locations de scène. Si jamais il y a une scène à mettre. À un endroit bien spécifique, c'est avec lui qu'il faut voir. Mais en fait, j'ai pas d'endroit fixe. Si je le fais pas sur le yacht, je sais pas exactement où je vais le faire. Du coup, je vais pas l'appeler en lui disant bonjour. Ah ouais, mais par contre j'en ai besoin pour j'ai besoin de savoir si les feux d'artifice c'est possible. Ah non, pas par là. Non, ça m'arrange pas ça. Le chemin de terre d'à côté. Voilà, ça a pas l'air. Ah, si, ça rejoint. Si, ça rejoint. Je connais bien le nord. Je suis un expert du nord. Je connais chaque recoin du nord. On va peut-être faire un petit arrêt essence. C'est 1h46, c'est pas mal, sachant que ça devrait pas démarrer à l'heure normalement. Parce que aucun événement ne démarre à l'heure. Par contre, j'ai plus beaucoup d'argent. J'espère que c'est pas payant l'entrée, parce que sinon. Ah, il y avait la location de leur scène aussi qui était possible, j'ai oublié ce détail. Il faut que je leur demande combien ça coûte. J'avais pas entendu. Ok. Bonsoir. Et bonsoir. Ouais. C'est bien. Je vais vérifier que j'ai bien envoyé le message à Balbo, mais normalement oui. Hein. Ouais. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et vous? Ouais, ça va. Je me pointe un peu à l'improviste. Parce que j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il y avait un concert. Du coup, j'ai aucune idée de si c'est payant, de si c'est... Absolument pas. C'est totalement ouvert à tout le monde et vous pouvez totalement entrer. Bah nickel, super.
Ben, merci beaucoup, bonne journée à vous. Mais, pas de soucis, et merci, par exemple. Bon courage. Merci. Et bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien et vous? Oh bah ça va, ça va, ça va. J'ai appris qu'il y avait un concert, alors je suis venu voir. Oui, il y a un concert, alors après la marche n'est pas encore arrivée. Oui, bah apparemment elle est partie un peu en retard, donc je me doutais que le concert allait démarrer du coup aussi un peu en retard. Voilà. Mais on vous en prie, installez-vous en attendant. Si vous voulez boire quelque chose, n'hésitez pas, ou manger. J'ai une petite question. Allez-y, on a peut-être une petite question. Bah je pense, j'espère. Ah. Est-ce que vous savez combien coûte en location ce magnifique, cette magnifique scène derrière moi si jamais demain je veux une scène à balader partout? Oui, alors laissez-moi juste regarder dans mes papiers. Alors. 50 000. Pour la journée, enfin pour la soirée? Ouais, je pense. Normalement, c'est ça. Ok. Ouais. Et. Il a l'air d'avoir une histoire de quantité d'heures, donc. Mais je peux aller voir ma patronne si vous voulez pour lui demander. Et bonsoir. Et bonsoir. Vous donnez une réponse sûre? Oui, je veux bien savoir aussi à quel point ça roule que sur la route ou si ça roule. Attendez, on va t'isoler. Ah, comme ça, on pourra détruire. Non, c'est nous qui amenons de toute façon. Ah, vous amenez n'importe où? Alors, n'importe où, peut-être pas en haut du Mochilia. Si... Ouais. Mais s'il y a une route, normalement, oui, on devrait pouvoir passer. Ok. Parce qu'en fait, je vous explique. Je vais faire un événement à un endroit incroyable. Mais je suis vraiment pas sûr de l'avoir. Si je l'ai pas, comme globalement il y a que deux endroits où il y a une scène présente sur cette île, c'est au Black Cat si on la demande et à Paleto, mais elle est pas forcément dans un état incroyable. Bah, j'aurais bien aimé le faire ailleurs qu'à un de ces deux endroits là. Et donc cette scène là serait la bonne solution. Sauf que, comme je veux pas faire ça à un endroit forcément qui est hyper. Et hyper courant, ça risque d'être un endroit un peu reculé. Ok, mais tu l'es avec une route ou... Pas forcément. Dans les endroits que j'ai repérés, parce que je suis pas encore sûr de moi, mais dans les endroits que j'ai repérés, il y a notamment sur un bout de plage. Donc il n'y a pas tellement de route sur la plage. Après, je sais pas si le camion est équipé tout terrain et que ça roule sur, de la, bah, sur du sable. Ça dépend, par exemple, si vous me dites une plage genre au niveau du point K ou un truc comme ça, je pense qu'il y a moyen qu'on passe. Si vous me dites sur une plage derrière le Mont Gordo, là je vais vous dire non direct quoi. Vous voyez Je pense que... Enfin, oui, ouais. Oui, non, de toute façon, oui, voilà. On est égaré. Non, après, c'est une plage de type avec du sable. Plage, mais niveau point O, P, Q, tout ça, je pense qu'il y a moyen qu'on y arrive assez facilement. Tranquillement, il y a moyen. Enfin, en fait, toute la côte, on va dire, enfin, du point R jusqu'au point K, je pense qu'il y a moyen qu'on puisse la porter assez facilement. Non, jusqu'au point K, ok. Peut-être, alors N et M, j'avoue que je vois pas trop comment sont les plages. N, il y a l'air d'y avoir un chemin qui descend en tout cas. Ouais, il y a un chemin qui descend, mais justement, c'est une falaise, c'est pour ça que je dis ça. Ah oui. Parce que c'est le chemin qui descend, ça amène au garage qui amène au garage bateau. Et de souvenir, pour aller au garage Bakudo, il faut descendre plusieurs marches. Donc c'est un peu une petite falaise. Donc c'est pour ça que je dis N et M, je suis pas sûre. Mais par exemple, je pense que L, enfin toute la côte L jusqu'au point K, je pense que globalement ça doit pouvoir le faire. Et après O jusqu'au point Q, je pense aussi. Enfin jusqu'au point R même, je pense aussi. Ok. Après toutes les plages qui sont dans le sud, ça devrait pouvoir le faire bonjour. Aussi. Bonjour. Et bonjour. Et bonjour. Et du coup, je suis à vous après. Il y a pas de souci. Oui, il y a pas de souci. Et du coup, de l'autre côté, par contre, un peu plus compliqué, quoi. Oui, bah j'imagine. Oui. Ok. Non, ça serait pas. Et encore que, c'est des bonnes idées. Il y a des bonnes idées par là, mais. Ouais.
Ok, bah c'est noté. Et merci beaucoup. De rien. Bon, on va se poser là une seconde. On va voir. Il y a un siège. Posé, hein. Le temps qu'ils arrivent, tout ça. Hop là. Ok, j'ai pas eu Polan. Je devais renvoyer un message du coup. Hop. Bonsoir. Disponible le. À 19 pour couvrir un événement en photographie. Un événement en photographie. Connaît bien, on va comment on va quand même lui demander si ça va. Bonsoir, comment allez-vous? Seriez-vous des... Hop là. Ok. Polan, c'est fait. Je vais aller checker vite fait ce qui. Ah oui, il y avait l'histoire de Goldie Event. Je peux essayer d'appeler 0704. Oh bah j'ai son, carrément son numéro d'enregistré. Appelle maintenant Brady Sanderson. Ça arrive, 15 minutes, ça marche. Ok, pas de soucis. Merci beaucoup. Mais le Yellow, ils font de l'événementiel aussi. Je pourrais peut-être voir avec eux si, s'ils veulent proposer quelque chose. J'ai un autre numéro, je vais voir si je l'ai. Parce que du coup, apparemment, j'ai des numéros. Ok, ça c'est Kingston. Donc ça c'est sûr, je l'avais. 64-22. John 10. Ok. Bon, en vrai, pourquoi pas? Je suis au Yellow, c'est le bon moment pour l'appeler. L'ancien patron du Yellow. Il n'y a personne ce soir. On a dit que le mercredi c'était le bon moment pour faire des événements. C'est terrible ça. Bon. Ah ça c'est pas vraiment la peine. Hein. Je peux toujours essayer d'appeler quand même. On appelle la présidente et on voit si elle a des idées. Allez. Après tout, le jet ski c'est un peu un truc. Fun. Ou alors on fait une. Non. J'allais dire ou alors on fait une course de jet ski en même temps organisée avec le bénisme. Mais... Genre ils nous mettent juste des plots et... Mais non, ça va se transformer en plus un concert. Pas sûr qu'elle soit là à cette heure-ci. Mais bon. Je peux toujours lancer le coup de fil. Raté. Pam. Ok. Bon, bah on a fait le tour, je pense, de ce qu'on pouvait faire. On va pas faire un Fight Club. Regroupement des artistes de toute nature afin de faciliter la centralisation des informations les concernant. Appel à projet, organisation d'événements facilitant la création de liens sociaux et la réalisation de collaborations. Le groupement des artistes de Los Santos, dont Martel Donovan est le président.
Nicolas Catani, il fait aussi des logos, flyers, affiches, fond d'écran. On aurait pu le contacter aussi avant d'envoyer le message et voir s'il répondait. Deep Explorer. Ah, ça va être compliqué. J'aurais bien fait parce qu'on sera en plein milieu de l'été, donc il sera dans sa période d'activité. J'aurais pu proposer de faire de la plongée sous-marine, mais il faudrait qu'on ait autant de tenues que de personnes. Ou alors... on prévoit que ça peut être fait pendant tout le concert, comme les jet skis. Et du coup, il reste dans un coin vers l'entrée du bateau. Et puis les gens qui veulent, on met une, je sais pas, 5 combinaisons ou 10 combinaisons, ce qui fait quand même 100 000 balles, hein, 10 combinaisons. Disponibles, 5 c'est déjà bien, 10, bon, ça dépendra du budget qui me reste. Mais une dizaine de combinaisons qui sont dispo, comme ça les gens peuvent aller explorer les fonds marins un petit peu. Après, ça fait peut-être un gros groupe 10. On va essayer de l'appeler, tiens. Hop là. Ce qui est bien, c'est que j'ai le numéro de tous les gens qui ont une entreprise de... ou une association dans l'île. J'ai plus besoin de rentrer les numéros et je les ai tous. Ah, mais c'est terrible! Je me suis renseigné pour les prix et oui. En fait, j'avais pas du tout le bon. Ah. Apparemment, c'est 25 par heure. Alors, par heure, 25 000. Ok. Voilà. Si jamais vous avez besoin de d'autres prix, je peux. Est-ce que vous faites d'autres locations au Yellow Jack? Oui. Vous pouvez privatiser le Yellow, c'est ouais. 7500 par heure. On a une scène aussi qui se met à la place du bus, c'est 20 000 par heure. Et après, on a aussi tous les équipements que vous voyez, la terrasse, les canapés et tout machin que on peut louer. Ok. Et après, il y a nos services à nous, si jamais vous avez besoin de serveurs sur place. Oui. Voilà. Ok, c'est noté. Je verrai en fonction des lieux que je choisis. Si jamais je trouve aucun lieu qui est satisfaisant. Parce que le problème, c'est que j'ai un cahier des charges assez contraignant. Ouais. Notamment... les gros arbres, là, les gros palmiers qui sont à droite, à ma droite, ça serait gênant pour ce que je veux faire, donc... voilà. Ça, on peut pas les enlever. oui, si, je me doute. non, voilà. Je peux tirer les canapés et les ranger, ou les palmiers, je vais pas aller les déterrer. Donc, voilà. J'ai des prestataires qui ont des cahiers des charges un peu contraignant. Après, ça dépendra des lieux que je trouve. Si je trouve aucun lieu qui correspond à tout le monde, à tous les prestataires, je me rabattrai sur des lieux qui conviennent à moins de prestataires et ça m'ouvrira plus de possibilités. Okay. Mais en tout cas, c'est noté. Ok, ça marche. N'hésitez pas, de toute façon, s'il y a quoi que ce soit, si jamais je peux vous donner mon numéro ou donner le numéro de la patronne, il n'y a pas de problème. Bon, la patronne, je dois l'avoir, c'est Azel Lewis. C'est ça. Plus Lewis. C'est plus Lewis. Turner maintenant, mais oui. Turner. Je l'ai à Turner, incroyable. Je veux bien votre numéro, du coup, comme ça. Je vais essayer de répondre. 4818. 4818. Lilo Makana. Comment vous dites le nom? Lilo, le prénom, et Makana, le nom de famille. Avec un seul L à Lilo, on est d'accord? Un au début et un au milieu. Oui, oui, vu comme ça. Ok. Et un partout, oui. C'est noté. Je recontacterai plutôt vous, je pense, parce qu'elle a d'autres choses à faire. Et puis si vous n'êtes pas là, je. Moi, je suis là plutôt en soirée,
dans la journée, c'est rare, à part le week-end. Mais après, je suis là quasiment tous les jours, donc... Ok, bon, j'aurais voilà. pas de problème à vous avoir. C'est ça. Bah, très bien. De toute façon, je rappelle généralement les... Oui, mais alors moi, je suis pas... Alors justement, c'est le problème, c'est que je suis pas énormément là ces temps-ci, et donc si je peux avoir des gens qui sont sur les horaires où je suis là, ça m'arrange. Parce que le nombre d'appels que j'ai en absence de gens qui me répondent pas, c'est un problème parce qu'ils me rappellent le lendemain, mais moi je suis plus là. Et... Ouais. Ouais, parce que... Bah sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un petit texto aussi. Hein. Oui, bien sûr. Après, là, vous êtes déjà au courant, donc ça va, mais pour présenter le projet, c'est plus simple. Excusez-moi. Est-ce que je peux faire une petite commande, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je reviens après. Pas de soucis. On a fini, de toute façon. Hein. Si je peux lui demander, en plus il y a Lewis, elle pourra lui demander aussi. Ah oui, alors. Donc la scène du Yellow Jack, ça serait 25 000 par heure. Je loue pour 4 heures. Parce qu'il faut le louer avant et après, évidemment. Et du coup, ça ferait 100 000 balles. Ça commence à chiffrer. Hein. Si toutes mes locations font 100 000 balles, il y a un moment, je vais pas pouvoir payer. Hein. Je suis... relativement riche, mais je suis pas non plus immensément riche. Hein. Parce que, je rappelle, hein, j'ai 1,3 million, je crois, un truc comme ça. 1,3 million. Si je paye toutes mes prestations à 100 000 balles, je paye que 10 prestations. La scène, Héloïse, c'est déjà 100 000 balles. La pub, c'est à peu près 100 000 balles, c'est un peu moins, mais on va arrondir pour être large. Donc déjà, on est à 300 000 balles. Donc il me reste 1 million. En vrai, il me reste 10 prestations à 100 000 balles. Mais si je veux autant d'artistes et en plus bah, d'autres trucs. Là, sans compter la scène, en comptant serveur du Black Cat, micro du Black Cat, location des jet skis. Ah, faut que j'appelle Chin, tiens. Voltige aérienne et relocation des jet skis. Je vais peut-être l'enlever celle-là. Oh. Ouais, non, bon. Ça fait 100 000 balles. Si on enlève une des deux locations de jet ski, ça fait à peu près 100 000 balles. Faut que j'appelle Chin. Et bonsoir, comment allez-vous? Ça va et vous? Désolé, je ne vous ai pas répondu, mais je suis ouais, un peu booké pour ces jours-ci. Ouais, bah c'est pas grave, c'est pas grave. Vous êtes occupé? Oui, j'entame une formation là. Ah! J'en ai pour une bonne heure. Ok, je peux vous poser une question rapide? Oui, dites-moi. Alors, je sais que vous faites de la location, je sais que le Black Cat fait de la location de jet ski. J'aurais voulu savoir si vous faites. Si vous en faites aussi, et si vous en faites aussi, comment vous le faites pour savoir ce qui est le plus pratique Voyez avec le Black Cat. Ok, d'accord. Et voilà, voyez avec le Black Cat, et s'ils ont besoin de rajouter, ils reviendront vers moi à ce moment-là, directement. Ok, ça marche, pas de souci. C'est noté. Parce que tu veux dire, louer en dehors d'une entreprise, c'est compliqué. Je ne fais que des locations, généralement, vers les entreprises, services publics, etc. Je sais pas pour quelle occasion vous voulez faire ça. Bah c'est pour un événement. Mais du coup, alors a priori, ce serait un événement privé, mais je peux passer par une association s'il y a besoin. Non, mais en fait, les paiements sont via la tour patron. Ah oui, ok. Ok, oui, donc de toute façon, ok, ça marche. Voilà. À moins de s'associer avec le Bénise ou autre complexité, etc. Ah oui, si, deuxième question rapide. Est-ce que vous louez l'utilisation du cargo bob en cas de besoin? Par exemple, s'il fallait déposer un véhicule à un endroit sur lequel il n'aurait pas d'accès sinon. Oui, ça peut se faire, il n'y a pas de souci pour ça. Mais il faut juste que l'un de mes deux pilotes ou moi-même soyons présents à ce moment-là. Ok. Ok. Je ne confie pas le cargo. À moins que vous me donniez une caution de 600 000 dollars. Alors, je dirais bien oui. Mais je sais pas si j'aurai encore l'argent pendant l'événement et ça va être compliqué pour moi de la récupérer donc. ok, c'est noté. Ça serait toujours pour l'événement évidemment et ça serait en fonction du lieu que j'essaye d'avoir et je suis pas sûr de l'avoir donc. Mais c'est noté. Sinon pour le cargo bob, y a pas de souci en soi. On peut se rendre dispo, c'est pas quelque chose qui prend longtemps donc je peux éventuellement. Sauf si vous faites ça à 10h le matin. Non, l'idée ça serait d'apporter un véhicule du coup vers 20
20h30, on va dire, et de le récupérer à peu près à minuit, ou peut-être un peu avant. Vous avez une date ? Alors, j'aimerais bien le faire le 5 juillet, mais si j'arrive pas à le faire à temps parce que ça me demande beaucoup de préparation, ça serait plutôt le 19. Donc le 5 ou le 19 juillet. Oui, je suis disponible dans ces dates-là, donc pas de soucis. Ok, bon, bah super. Il devrait pas avoir de problème. Super, super. Bon, bah je vous laisse à votre formation. Et bonne soirée. Bonne soirée. Wouhou! Bon, pour le cargo bob, je suis content parce que ça veut dire qu'on peut mettre un van du Black Cat sur le yacht si on m'accorde le yacht. Faut que je note tout ça, hein. Faut que je note que j'ai fait des démarches et tout, que les gens sont d'accord parce que ça montrera que c'est un peu sérieux. Là. Oh, il y a un hélico! On aurait pu survoler la parade en hélico et se cracher dessus parce qu'on a un crash internet. D'ailleurs, j'ai pas encore eu de crash internet. Je touche du bois actuellement parce que mon bureau est en bois, ça tombe bien. J'espère que ça va pas arriver maintenant que je l'ai dit. Jenna, je vais voir si je l'ai Jenna dans mes contacts. Non. Nox, ça me dit quelque chose, mais je sais pas comment ça s'écrit par contre. Ox, je vais voir Kelvin. Ox. Jack Knox, c'est sûr, il y a un moment il a été sur les auto-entreprises ou quelque chose comme ça. Mais il y est plus. Il a peut-être fermé son. Il a peut-être fermé pour passer par par Saga. Mais je l'avais vu à un moment et je m'étais dit, ah tiens, je le connais pas lui, c'est un nouveau c'est un nouvel artiste, un nouveau chanteur, c'est bien, ça fera des nouveaux talents, tout ça. Au moment où j'étais à la mairie, je pense, et que je voulais faire un concert avec la mairie. Je pense que ça doit être par là. Milalo, je l'ai pas appelé Milalo. Je peux appeler Milalo pour voir si elle est ok. On va essayer de démarcher des gens en attendant que ça démarre. Ah non, non, pas Miloko. J'ai pas Milalo. Ah si, à Milalo. Oh terrible. Allô. Et bonsoir, Jim Parksal à l'appareil. Je vous appelle par rapport à un événement que j'aimerais organiser avec un concert. Et je voulais savoir si éventuellement vous étiez intéressé pour chanter début juillet ou milieu juillet, ça dépend un peu, encore une fois. Oui, si je suis là à cette date-là, sans souci. Alors l'idée que ça serait le 5 ou le 19 juillet, ça dépend de la rapidité avec laquelle j'arrive à organiser tout ça. Oui, je comprends. J'ai une idée en tête. Vous allez me dire si ça vous intéresse. C'est que je veux faire un concert global avec plein de gens, tout ça, entrée libre, les gens viennent, ils s'amusent, c'est marrant. Et je pensais, le problème c'est que je pensais faire des passes VIP pour que des gens puissent avoir un concert privé et remettre l'argent derrière à des gens qui m'ont dit qu'ils en avaient pas besoin finalement. Donc j'aimais bien l'idée, donc j'aimerais bien le faire quand même. Il faut juste que je trouve quelqu'un d'autre qui a besoin d'argent. Donc ça serait, comment dire, il y a un concert principal et un concert secondaire, c'est du coup, dans l'idée, c'est il y aurait le concert, et à la fin du concert, les gens s'en vont, et ceux qui ont payé leur place VIP accèdent à une partie spécifique de l'endroit, ou alors juste restent sur place et les autres s'en vont, on verra en fonction de si j'arrive à voir l'endroit qui me plaît, qui serait incroyable. Et du coup, le concert privé se ferait à la suite du concert principal, uniquement pour les gens qui ont pris les places VIP. Et je me dis que, vu votre style musical, ça se prête plus que de demander à un DJ de faire un concert privé. Pardon, j'ai l'impression. Après, peut-être qu'il y a des gens qui se payent des concerts privés de DJ, hein, mais... Oui, peut-être. Pour des soirées spéciales. Oui, pourquoi pas, moi, de toute façon. Il y aurait un thème défini ou c'est... Pas forcément. Non, là, pour le coup, c'est vraiment... Globalement, moi, je veux un truc un peu festif parce que le but, c'est quand même de s'amuser.
Mais après, comme pour le coup, c'est de concert privé, je dirais que dans l'idée, si vous êtes intéressé et qu'on part sur vous, je mettrai votre nom pour que ça attire des gens aussi. Et du coup, bah, faut faire quelque chose qui vous ressemble, parce que sinon, les gens vont venir vous écouter chanter. Si vous faites quelque chose qui vous ressemble pas, sans forcément être déçus, ils vont se sentir peut-être un peu biaisés par la publicité. Oui, bah oui, de toute façon, oui, c'est sûr que j'ai un style très posé. Oui, voilà. C'est sûr que si vous vous mettez à faire de la dubstep, ça va pas être pareil. Oui, pas la même, effectivement. Moi, sans souci. Ok. Si je suis dispo à la date, il n'y a pas de problème. Ok. Et ben, je vous note en plutôt ok. J'ai mis ça pour les gens qui sont d'accord, mais forcément, comme ma date est un peu aléatoire pour le moment, c'est compliqué de dire un oui franc. D'accord. Oui, c'est ça. Ok. Bah super. Eh ben, très bien. Une idée de... J'ai peut-être oublié de le demander à la dernière personne que j'ai appelée. Une idée des tarifications. Ça dépend combien de temps... Ça dépend combien de temps il y a de... de prestations. Alors le concert privé, je pensais le faire un peu plus court pour des raisons d'organisation, parce qu'en fait, si j'arrive à encore une fois, ça dépend vraiment si j'arrive à avoir le lieu. Tout dépend de mon lieu, c'est ça le problème. Et mon lieu, je suis obligé de passer par le gouvernement pour pouvoir l'avoir. Donc c'est faut que je fasse la demande, faut qu'il fasse la demande, faut que il reçoive les résultats, faut qu'il me transmette les résultats. C'est pour ça que je suis un peu dans le flou en termes de date. Je pensais vers moins court pour pouvoir tout simplement rejoindre derrière un endroit de civilisation décent. Mais donnez-moi un prix à 5 minutes. Et puis si c'est deux fois plus, ça sera deux fois plus cher. Et puis trois fois plus cher, j'imagine. Ou ça marche pas comme ça ? Non. Si c'est... Comment dire ? En fait, en gros, généralement, quand c'est... quand je chante une vingtaine de minutes, 20-25 minutes, on va dire, je prends 25 000. Après, si faut chanter pas beaucoup... Oui, ça sera pas 5 000. Oui. Ah, vous chantez 20 minutes, c'est beaucoup, non ? 25 minutes de chant ? Bon, ça dépend. Ça dépend de ce que les gens veulent. D'accord. Parce que justement, j'étais en train de me dire que je partais sur des chansons... autour de 15 minutes et je me disais mais déjà 15 minutes ça fait quand même pas mal de chansons, ça fait quand même non je ne oui, me rends oui, pas oui, bien ça compte fait... Mais... ça fait 5 chansons mais en fait ça dépend de ce que les gens veulent. D'accord. Et bon, on pourrait peut-être dire 10 minutes alors 10 minutes ça fait 3 chansons à peu près. C'est à peu près 3 minutes une chanson, c'est ça? Ok, bon, c'est pas mal hein, quand même. On partirait peut-être plutôt sur 10 minutes du coup. Ok. Bah, 10 minutes en vrai, 10 minutes, 10 000, c'est très bien. Ça paraît pas cher, mais d'accord. Enfin, je réévaluerai en fonction de mon budget à la fin, mais ok. Je note. Bah, disons que j'ai pas de. On va dire, généralement, on est payé à peu près 4 000 la chanson sur certaines soirées. Donc 12 000 on va dire pour 10 minutes et 3 chansons. Ok, très bien, tenez-moi au courant du coup pour la date. Pas de soucis, bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, au revoir. C'est pas cher, je paye 100 000 Héloïse, hein. Je paye 10 fois plus cher Héloïse. Bon après eux ils font des chansons régulièrement tout ça. C'est normal de payer plus cher Héloïse, mais 10 fois plus cher. Ça me paraît très peu. 12 000, ça me paraît... 100 000, c'est trop. On est d'accord, c'est très cher. 50 000, c'est un peu cher aussi. Pour Miguel et Kim. Par contre, 12 000, c'est pas cher. 12 000, c'est pas cher. Je vais noter ça, parce que je vais conserver, du coup... et on va mettre 10 minutes du coup à la place de 5 minutes
Et puis on réévaluera. Et ça peut être aussi... les places VIP pourraient aussi permettre de payer les chanteurs éventuellement. Ça pourrait être un bon plan, ça. Dire, bah, si vous voulez soutenir les chanteurs, si vous voulez soutenir les artistes, toutes les places VIP seront dispatchées entre les différents artistes. Je pense que ça peut être un bon plan. C'est elle qui, du coup, sera la voix des artistes. Bon, du coup, c'est elle qui chante et c'est les autres qui récoltent l'argent parce qu'elle récoltera que un énième de l'argent en fonction du nombre d'artistes. Mais... ok, qui est-ce qu'on a d'autre à appeler? Les Daft Sprunk, on peut les appeler, ils ont des numéros. Tac, 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 tac. Il faudrait que j'appelle le Weasel aussi pour savoir s'ils ont lien avec... Ah bah tiens, on va appeler tout de suite le Weasel plutôt. Ça fait longtemps que j'ai pas eu Billy au téléphone. Ah, il est peut-être pas loin. Et elle est peut-être pas là. Daft Sprunk, ils sont dans entreprise normalement, tout en bas, ou plus tout à fait tout en bas. Sacha Fischer. Daft Sprunk. Corp normalement, mais bon, on va l'enlever le corp. Sacha Fischer. Ah bah non. Daft Sprunk. Sacha Fischer. 97-98. Bonjour Monsieur Sprunk. Non, c'est pas ça. Allô. Et bonsoir Monsieur Fischer, Jim Parks au téléphone. Est-ce que je vous dérange? Non, pas de tout cette fois. Ok. Je vous appelle par rapport à... au fait que vous soyez noté comme collectif. Vous êtes à vous-même un collectif, félicitations, qui fait de la musique. Oui, c'est pas ça, ouais. J'organise un événement bientôt et j'aurais voulu savoir si ça pouvait vous intéresser de participer à l'événement. Ce sera un concert qui serait en juillet. Je peux pas vous donner une date exacte parce que ça dépendra de réponses que j'attends. Mais ça serait probablement entre soit le 5, soit le 19. Juillet, vendredi donc. Entre le 5 et le 19, soit le 5, soit le 19. Hein. Ouais, ok. À moins qu'on ait un truc qui se mette entre temps, mais pour l'instant, je crois que ça vous intéresse bien. Ouais. Attendez, parce que j'ai mon collègue justement en face de moi. Des collègues, ça te dit de faire un concert le 5 ou le 19 juillet? Ah, bah ouais, ça nous intéresse grandement, ouais. Ok. Et ben je vous note sur intéressé. Ouais, exactement. Et n'hésitez pas à nous tenir au courant. Oui, dès que j'ai une date fixe, enfin dès que j'ai le lieu en fait, j'attends une réponse pour le lieu. Si j'ai le lieu, je peux mettre tout en place et je peux rappeler tout le monde et leur dire c'est ok. Si j'ai pas le lieu, c'est un peu plus compliqué. D'accord, mais ça on pourra en discuter, mais parce que ça c'est que... Nous, on peut faire beaucoup de styles de musique un peu différents. Donc, si jamais vous avez un style en particulier que vous voulez mettre à l'honneur, vous nous dites et on fera des sons dans ce sens-là. Il n'y a pas vraiment de thème particulier. L'idée, c'est quand même que ce soit un truc un peu festif. Donc, par exemple, la marche funèbre, c'est pas top. Ouais, on est d'accord. Attendez, je peux vous rappeler dans 30 secondes parce que justement, ce concert-là, il doit monter sur scène. Ah oui, allez-y. Ça marche. Eh ben, je vous rappelle dès qu'on a fait des. À plus tard, oui. Ouais, à plus tard, ouais. Je suis au premier rang. Il va monter sur scène. Ils le prennent après, ils le prennent plus. Hein. Ok. McDouglas, je l'ai pas appelé McDouglas, je crois. J'ai appelé McDouglas? J'ai peut-être essayé de l'appeler. Ah bah les voilà, c'est eux. Ils sont habillés en vert. C'est les Daft Sprunk. Daft Sprunk, la marque et tout ça en vert.
terrible. Est-ce que je lui ai envoyé un message peut-être? J'ai l'impression de l'avoir appelé. Ah, voilà. Bonsoir, monsieur Mac Douglas. C'est attaché ou c'est pas attaché? Oh, j'organise bientôt un événement. J'aurais aimé que vous. C'est bon là. La date est formellement fixée, ce serait le 5 ou le 19. C'est vrai que c'est pas mal aussi en fait comme musique pour démarrer de chillax. On l'entend cliquer. Le truc, c'est que c'est très bien pour démarrer, mais je peux pas mettre Mac Douglas ailleurs. Et la coloc à neige. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'elle a un style unique. Quand on regarde les autres, il y a plein de gens qui se ressemblent ou qui ont un style où on a vu plein de gens comme ça. Elle, pas tellement. Hein. Alors qu'elle a quoi, un jogging et un t-shirt, c'est pas non plus. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'elle elle dénote par rapport aux autres. Peut-être des nouveaux fringues aussi qui ont été rajoutés récemment. Ah, la musique est cassée. T'as coupé. Ah, terrible, il a crash. C'est dans le remix, vous en faites pas. Ah non, il change. Je pensais qu'il avait TS qui avait crash ou quelque chose comme ça, et que du coup, ça avait tout coupé. Ça doit être terrible, une coupure de TeamSpeak en plein concert. Faudra que je puisse combler du coup, vu que je prends moi un truc timé carré. Faudra que je le comble en remerciant les gens qui partent et en présentant les gens qui arrivent pour
rattraper les... pour combler les 5 minutes de timing si jamais il faut les combler, quoi. On va peut-être devoir se mettre à plein temps quand même à un moment. En fait, si on le fait le 5, ça va être compliqué. Il faudrait que j'ai ma réponse de si c'est possible de louer le yacht en 2 jours. Il y a des pièces de son, c'est bizarre. Est-ce qu'elle va trouver neige? Ah, il y a elle ici, je crois. Comme là, il y a elle quand même. Avec des guillemets pour le yacht. J'ai pas regardé quand ça a commencé pour voir combien de temps il durait. Il est en train de manger en même temps ou... C'est marrant tous les bruits qu'on entend en plus. Normalement on devrait entendre les bruits de son PC, donc on devrait pas entendre des bruits de touc touc touc. La souris à la limite, mais le reste c'est bizarre.
les besoins que remplit Egot. Bravo, ouais, wouhou, bravo. Félicitations, je sais pas applaudir, mais bravo. Ça s'est chambé. Bravo. Et quoi en neuf? Main dans le dos. Peut-être remplacer le 6, je le fais plus jamais, mon salut militaire. Festive. Applaudir. Je vais... On va applaudir. Ouais, bravo, bravo, une heure après tout le monde, wouhou, bravo. Bravo, wouhou. Et on applaudit les Daft Punk. Et bravo, on les applaudit, bravo, bravo, bravo. Félicitations. Hop là, ils sont bravo, descendus. Bravo, bravo, bravo. Voilà. Hop. C'est top les gars. Ne vous inquiétez pas, c'est de la musique qui fait pas mal aux oreilles. Je sais qu'il y en a qui se posent des questions, ne vous inquiétez pas. Normalement, les artistes de Saga font attention à ce qu'ils produisent. Et ça ne fait pas mal aux oreilles. Ce sera pareil pour ma musique également. N'ayez pas peur. Bon, bah voilà, on a une soirée Pride qui s'est plutôt bien déroulée avec une marche dans la ville. C'était très cool. Merci aux organisateurs, Women Solidarity. Merci à eux. Et puis bah, merci pour ce concert et puis bah, j'espère que ça va vous plaire. On va essayer de faire bouger tout ça, un petit peu de musique et c'est parti. Ouais coco. Je vous ai rien lu du tout, mais on va voir les Daft Punk, je pense qu'ils viendront. Bonsoir. Bonsoir. Oui, tout à fait. Ah bah super. Ça vous dérange si on garde les masques pour rester anonyme? Non, pas de soucis, pas de soucis. Bah, anonyme, vous avez votre nom sur le. L'un des deux. Ouais. Mais oui, pas de soucis. Ouais, bah attends là. À du coup, ce que vous apportez, ça vous a plu ou pas? Oui, tout à fait, oui. C'est bien. Bah, alors, justement, je me disais pendant l'organisation, c'est plutôt de la musique peut-être à mettre en fin de concert, et finalement, en début de concert, c'est bien aussi. D'accord. Là, vous avez eu, on va dire, une facette de notre style. D'accord. La deuxième facette, on va dire, c'est plus des musiques plus rythmées que celles qu'on a proposées aujourd'hui. D'accord. Mais on va dire avec des paroles plutôt second degré, on va dire, vous voyez. D'accord. Mais du coup, c'est moins électro, enfin, parce que là, c'est... Non, c'est plus électro dubstep qu'on fait d'habitude. Enfin, facette, on va dire c'est plus dubstep, vous voyez. D'accord. Et puis les paroles, bah par exemple on fait de la dubstep pour la soirée verte par exemple, des choses comme ça, vous voyez. D'accord.
Vous avez un endroit où la musique est disponible si on veut l'écouter ou pas du tout? On va mettre en ligne sur YouTube les musiques qu'on a déjà diffusées au Yellow Duck. D'accord. Donc là, vous pourrez bientôt retrouver 4 morceaux là-bas. Ok. Si vous voulez, je vous enverrai l'adresse, l'URL, comme ça vous pourrez aller voir. Bah, je veux bien, comme ça, dès que c'est en ligne, je vais voir et puis ça permettra de. Vous pouvez rappeler votre nom, comme ça vous aurez déjà le téléphone. Jim Parks. Okay. Ah bah, du coup, je vous envoie ça dès que c'est disponible. Super. Et puis, voilà quoi. Toi, Gus, oh putain, c'est trop hardcore. Toi, collègue. Ouais, ouais. Tu penses de faire un petit concert en juillet? Bah, à fond, ouais. Moi, j'aime faire genre le. Bon, bah, nous on est motivés, donc une fois que vous aurez entendu tout ça, vous nous dites ce que vous préférez comme style, puis vous nous donnez les détails et tout ça, quoi. Ça marche. Et tout est réalisable comme style. C'est un peu effrayant quand vous dites ça, mais. Bah, en fait, si vous voulez, on non, est mais si vous avez. On a si vous avez une soirée, par exemple, salsa, on peut faire une séquence que salsa, par exemple. D'accord. En fait, vu qu'on est quatre, on a tous un peu de spécialité. Ah. Et du coup, vous voyez, on se complète un petit peu tous. Du coup, on peut faire un peu de tout, quoi. Et on enchaîne. Oui. Et c'est parti, du coup. Bah, ok. C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez un style, il faut le dire. Bah, le plus important, et il l'a précisé, donc tout va bien, mais le plus important, c'est que ça soit tout public. Ouais. Mais ça, de toute façon, je pense que n'importe quel artiste de Lille fait en sorte que ça soit tout public. Ouais, tout oui, voilà, c'est normal. Tout public, et ça fait pas mal le travail de tous les gars. Ouais, non, mais c'est ça que je veux dire par tout public, faut que... Voilà. Ah oui, bah c'est tout pour faire tout, donc y'a pas de soucis, c'est voilà. Bah nickel, super. Ok, bon, on peut partir là-dessus. Est-ce que. Alors attendez, je sais pas si j'ai pris pour vous. Est-ce que vous avez un ordre d'idée du prix Pour le moment, je partirai a priori sur 15 minutes par artiste. Oui. Et vous avez une idée pour 15 minutes? Bah, en vrai, on fait pas trop ça pour l'argent, donc vous avez, je sais pas moi, 5-6 000 dollars qui traînent, ça sera bien à la fin. Hein. Je note, c'est vraiment pas beaucoup effectivement, mais oui. C'est juste pour couvrir nos frais, voyez, on fait ça pour le plaisir, pas spécialement ça pour l'argent, quoi. D'accord. Bah, je note, après, je rémunère aussi en fonction des performances. Y a pas de raison. Pas de raison que vous soyez payé 5000 dollars et que derrière, il y ait un artiste qui soit payé. Enfin, sauf des artistes renommés internationaux, évidemment. Ouais, bah, c'est juste pour vous dire, faites à votre cœur, on fait pas ça pour l'argent, nous on aime faire ça et c'est pas l'argent qui nous motive. Ok, bah, c'est bien noté. Donc voilà. Ok. Vous seriez disponible les deux dates? Ou il y a une date que je le note aussi que je. Bah a priori oui, mais vous voyez le problème c'est que par exemple vous voyez ce soir c'était. L'Orange devait être là et puis finalement c'était pas sûr. Enfin vous voyez ça peut en dernière minute ça peut changer un petit peu. Mais vu qu'on est quatre, mais ouais c'est ce que j'allais dire. Normalement il y a toujours un de disponible. Si, voilà, si vous avez un empêchement du coup vous avez quelqu'un d'autre qui peut reprendre, c'est pas. Il n'y a pas une seule personne qui a toutes les musiques et puis c'est sur sa clé USB. D'accord, ok. Normalement, vous aurez peut-être pas les 4, mais vous aurez au moins une personne normalement. Ok. Minimum. Oui, après, si vous venez à 4, vous venez à 4, si vous venez tout seul. Bah, plus vous êtes nombreux, mieux c'est aussi pour vous, pour l'image. Ça vous permet d'être. Oui, bien sûr. Ouais, un peu plus ça. Mais ok. Très bien. Pourquoi? Ah bah super, j'ai hâte d'avoir plus d'infos et puis n'hésitez pas peut-être. Et bah super, bah je le ferai dès que j'ai le lieu, dès qu'il est confirmé ou infirmé, dans ce cas-là, que je me rabats sur autre chose, je vous recontacte et précise ça. Ça marche, ah bah super. Merci beaucoup.
Passez une bonne soirée. Bonne soirée. Merci d'avoir pensé à nous, c'est très gentil. Merci, bonne soirée à vous. Et bonne soirée. Pardon? Ah bah c'est normal hein. Sur 15 minutes par artiste. Si ça vous donne pas. Pour le moment. Ça pourrait je préfère même demander si je veux. Évoluer. Quoi le contraire d'un refus, une acceptation? Oui oui, c'est pour ça que je me permets de prendre des photos et de faire des bandeaux, etc. Parce que sinon je me permettrais pas de prendre des inconnus comme ça. Il y a un mec du Weasel qui est en train de se faire. C'est bien, les gens. Jackie Hudson, est-ce que je l'ai? Le problème c'est qu'on va pas tellement passer de coup de fil pendant le... Je l'ai pas. Je sais pas s'il est... Je vais pas retenir les dates. Non, c'est le 5, c'est pas le 6. Donc j'ai pas le numéro de Jackie Hudson. Jenna, je crois que j'avais dit que je l'avais pas. Légion, il faut que je demande à Weasel. Pour la rédaction. Je connais cette tête, non? Je me demande si c'est pas Annie, justement.
Voilà. Absolument que j'ai Benji Novak. Ouais, ouais, bravo. La prochaine artiste, c'est Billy. Si, si tu peux monter sur cette, s'il te plaît, Billy. Coco Pickleson, du coup. Je l'ai pas compté, Coco Pickleson, dans tout ça. Elle est pas là. Billy. Ah, super. Bon, bah alors, tant pis, ce sera Mila. Mila. Je vous lis les besoins du coup, le temps qu'elle monte. Le yacht est idéalement placé pour répondre à plusieurs besoins du cahier des charges de l'organisation de l'événement, comprenant la tenue d'un événement sortant de l'ordinaire, le besoin d'un espace aérien dégagé, une séparation nette pour une zone VIP, un espace à l'accessibilité réduite pour le contrôle de G6, la proximité d'un parking pour les véhicules publics et un accès privilégié pour les secours. Que j'ai rien oublié. Après relire par neige, je pense. Et bonsoir tout le monde. Alors, bon, moi ça va être un petit peu plus calme comme c'était le Theme Pride. Je vais vous interpréter du coup des chansons qui sont un peu en rapport. La première, c'est la chanson Une femme avec une femme de Mécano et j'espère qu'elle va vous plaire. J'adore cette chanson! Let's go! Qui se tiennent la main, ça n'a rien qui peut gêner la morale, là où le doute s'installe. C'est que ce geste se passe sous la table quand elles sont seules. Contacter Benji Novak parce qu'on a besoin d'avoir au moins un oui de principe. Ce qu'ils en pensent ou disent ne pourrait rien y faire.
magnifique. Merci. Bravo. Ah oui, je dois applaudir. Ah, j'ai pas applaudi Pickleson d'ailleurs. Pour la deuxième chanson, bravo. On reste un peu dans le thème. Et je passe en speed, ça a donné quoi. Avec bonjour, je viens regarder des chanteurs pour les par recruter. Christina Aguilera, qui s'appelle Beautiful. Et je fais un dossier en même temps. Une chanson que j'aime beaucoup également. J'ai eu Levinson. Let's go. Et bonsoir. Bah, comment allez-vous? Après le concert, je vais vous donner des nouvelles. Ah, ok, oui, super. On a vu ça hier soir. C'est pas nickel. Et il m'a demandé de faire un... Alors, pas un dossier, mais un document. pour présenter le truc pour... Non, c'est pour Neige. D'accord. voilà, pour la location, et que si... Bah voilà, pour qu'il envoie un truc, je pense. En gros, il t'a demandé un dossier? Bah, alors je lui ai dit, bah je peux faire un dossier, mais il m'a dit non, mais pas un dossier, juste un document. okay. En gros, il veut pas 20 pages, quoi, il veut un truc qui explique ce que ça sera et pourquoi louer ça du coup. Mais bordel de merde. Oui non mais ça c'est je pense que c'est pour demander les autorisations derrière. Non oui mais il est grand, la même tête que Jim. pas pour moi non. Okay. Tout va bien. Non non j'ai pas de tout va bien je pense. Hein. Moi je vois personne avec. Tout le monde va bien ouais. C'est... ouais. Okay. Change. Bah ça va mieux. Non, ça va pas mieux depuis quelques temps aussi, hein. Ouais, il y a des problèmes. Déjà, on va éviter qu'il y ait trop de voitures ici. Ah, il y a eu un truc. Moi, je suis garé là, hein, comme tout le temps. Ouais, bah oui, bah non, pas comme tout le monde. Non, comme tout le temps. Moi, je suis tout le temps garé à côté. Et oui, peut-être. Oui, il y avait des navettes. Ah, c'est terrible, mais j'ai pas lu. Alors, j'avoue que je lis plus rien. Je lis plus aucune pub et du coup c'est parce que j'ai eu au téléphone une charmante personne qui m'a dit oui bah il y a un truc ce soir que voilà, sinon... Mais normalement j'avais appelé à Zep pour qu'elle dise aux gens qui se garent ici aller au parking samedi, il y a des navettes. Ah mais après je suis arrivé avant le défilé donc enfin avant la parade. Bah oui justement oui. Ah oui bah voilà rien du tout. Bref, c'est pas trop très grave s'il n'y a pas énormément de voitures. En plus, oui, du coup, à l'aéroport, les navettes? Non, c'est vrai que c'est pas beaucoup plus loin. C'est pas payant, surtout. C'est pas payant, oui. Pas pour le prix que ça coûte. Enfin, tout le monde n'a pas les mêmes. Oui, non, mais. Oui, je suis d'accord. Il y a un nouvel arrivant qui laisse. Oui, c'est cher. Ça fait chier, quoi. Oui, je suis d'accord. Tu chantes pas toi par hasard? Moi, je chante. Ah, mince. Non, parce que j'en profite, j'essaye d'avoir le plus d'artistes possible, alors... Alors, je me dis que... Tant qu'à faire, autant poser la question. Catardo, une petite chanson? Catardo. Oh oui, je suis sûr, il sait le faire. Non. Aucun effort. Ouais, t'es parfait, toi. Alors, je sais que Jim, non, mais Neige. Je suis pas parfait, c'est ça. Demain, ouais. À l'aérodrome. Non. Pourquoi ils ferment l'aérodrome de... Ah oui, bah c'est un événement privé, donc je pense que c'est un... Ah, c'est privé. Bah, c'est marqué ça sur le... Attends. Où est-ce que j'ai vu ça? Bah, moi, j'ai vu...
le truc de Wesel. Oui, oui, mais c'est, si on regarde le communiqué, c'est marqué en raison d'un événement privé. Donc je pense que c'est une entreprise d'accord. qui doit faire un team building. Ok, bah ouais, parce que nous aussi on fait un team building. Merci. Ouais, ah. Bravo. Du parking de. Et on va en faire une petite dernière. Qui est un peu. Après, c'est l'aéroport qui est terminé, qui est fermé, c'est pas le. Mais s'il y avait un événement, du coup, ça foutait la merde. Oui. Bah il y a un événement du coup. Personne veut caresser. Faut appeler la mairie. Non. Faut demander si c'est possible de se garer. J'espère qu'elle vous plaira également. Ah non, mais on s'en fout, on va pas à l'aérodrome, c'est on veut le parking de Sandichor. Parce qu'on va faire tout le lac en vélo. Ah oui, bah ça va le faire. Voilà, c'est juste qu'on vous les déplace. Ah oui, oui. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce problème là aussi. Ah oui, il y a déjà le BTP qui squatte là-bas. J'ai eu le problème au 21 champion, la première soirée j'ai voulu. Enfin, j'ai été là-bas et ma voiture est restée sur le parking. Ouais bah voilà. Ah il y a les Daft Punk. Oui c'est la, les, ils sont passés en premier. C'est difficile à dire. Non pas parce que les Daft Punk. Ouais. Et tu les as ratés du coup. Par contre, je les ai bookés. Mais oui, c'est pas noté sur pop-up. Bah non, parce que ceux qui sont s'occupés de la com, ils ont pas fait leur boulot. J'ai encore péri. Terrible. Je vais les virer. Heureusement que tu es là. Bah, heureusement qu'ils sont passés me payer tout à l'heure. Elle est la petite fille aux yeux bleus qui va me rendre heureux. Elle est là, elle est. Je ne connais pas Azel. Azel, elle a joué dans la main. Quelle est la petite fille aux yeux bleus qui va le rendre heureux. Moi, je ne vois que moi. Il n'y a que moi. Dans ce livre. Tu vois Azel ou pas? Elle était dans le bâtiment tout à l'heure. Au tout début. Ok. Dans ce livre-là. Oui. T'aurais dû porter plainte finalement. Contre. Toi tu sais qui. Ah bah moi je vous ai dit hein. Je vous ai donné les armes, après vous battez pas. Bah c'était pas moi de le faire. Bah. Je sais. J'ai caressé le hérisson. Il est plus triste. J'ai pas écouté la chanson, mais Elle a caressé la chanson. Je connais cette chanson, le. Pas récent. Ah non, ouais, c'est pas récent. Merci bravo. Beaucoup. Bravo. Je sais pas si Billy ou bravo. Francis sont là. Francis, il m'a pas répondu. Non, il est pas là. Et il a posé un lapin. Ah, terrible. C'est pas terrible ça. Enfin, ça m'arrange pas moi. Du coup, je sais pas si vous pouvez le booker aussi, mais peut-être pas une bonne idée. Je pense qu'il passera pas, oui. S'il a posé un lapin. Non, mais c'est pas grave qu'il soit pas là ce soir. Enfin, c'est pas grave pour moi qu'il soit pas là ce soir, mais c'est chiant pour eux. Mais si je le book et qu'il fait la même chose à mon événement, ça m'embête. Oh, oui. Alors, on a un petit problème d'artiste. Ah. Deux, et Billy, c'est qui présentés qui sont pas venus. ESP, c'est pas grave. Je vous propose de faire oula. Une musique de plus. Oh, bon. Ah bah, une ou deux musiques de plus, non, si ça vous va. Désolé, je voulais pas. Tu vas chérie Coco. Allez, c'est parti. Chérie Coco. What Coco. Let's go. Oh, le soleil derrière, ça fait magnifique. Et ouais, du coup, le problème, Neige, c'est que je suis en train de. Du coup, je suis en train de rédiger des trucs en lui disant je voudrais que mon événement ça soit ça. Ouais. Mais j'ai pas encore la réponse des gens parce que les gens attendent une date et la date elle est en fonction de si on me réserve le lieu. C'est chiant, ça fait un cercle vicieux. Parce que là, si demain on me dit le lieu c'est ok, je peux le faire vite. Si on me dit pas le lieu c'est ok, il faut que je trouve un nouveau lieu et tout, c'est chiant. C'est beaucoup plus compliqué. Donne une date et pas de lieu. Bah, du coup, à tous les artistes, je leur dis c'est soit cette date, mais deux dates. Bah en fait, j'aimerais bien le faire le 6 juillet. Non, le 7 juillet. Ah, j'y arrive pas. Si, le 6 juillet. 5 juillet. Le 5 juillet. Sauf que si j'ai... Je vais attendre la réponse et je voudrais faire une vraie campagne de pub.
Sauf que du coup, si on me donne la réponse dans une semaine, il me restera plus qu'une semaine. Et ça me va pas. Moi, je veux deux semaines. Il faut deux semaines pour une bonne com. Sinon, une semaine, c'est trop court. Il y a des gens qui regardent pas. Donc je dirais même, idéalement, il me faudrait la réponse dans deux jours. Je suis pas vraiment pas sûr de l'avoir dans deux jours, mais... I see. Après, je peux faire... Le souci, là, c'est qu'il te demande de faire... Attends, ton document... Non, c'est incroyable, demain, il va y avoir plein d'événements, du coup, tout le monde va être dans le Nord, ça va être fou. Ah, ah, super. Oui. Bah oui, parce que le jeudi, il y a la pause Yellow aussi, là. Ah oui, d'accord. Sacré timing. Regarde, j'ai jamais vu un Lost danseur. C'est incroyable. Ah, les gens ont été privés d'événements pendant deux semaines. Ils se rattrapent, hein. Bah oui, parce qu'apparemment, la Pride devait se passer le 6. Ah. Mais il y avait 21. Ah oui. Ah bah oui. Ah, c'est incroyable. Fascinant. Mais ton teaser. Il y a prévoir qu'il m'a dit, mais qui tu travailles où? Je dis, bah, je sais pas moi, je travaille pas. Non, c'est pas ça Jim. Tu m'as dit, attends, je t'ai pas entendu, Neige. Il y a Trevor qui m'a demandé où tu travaillais. J'ai dit, bah, je sais pas moi, toi, je. Il prend des vacances. Nous trois, c'est la team pauvre, ouais. On travaille pas. La team free. La team free. Ouais, team free. Ouais, je suis team rentier. Perso, je suis chez Orange. Et donc, ouais, il demande un. Ouais, j'ai vu Gwen, il avait mis quoi? Un dossier, un truc écrit. Ouais, ouais, tu ouais. Mets quoi dans ton truc écrit que veut le gouvernement pour demander aux fédéraux si c'est ok? Bah. Ah, attends. Oui! Ça s'en retraite. Attends, je t'entends pas fort, il y a un concert. Je me décale un peu. Hein? T'es au concert? Bah oui. Ah bah rejoins-nous, on est devant, moi je suis arrivé premier au concert. Et du coup on est sur les canapés à droite. Ouais, attends, je te dis vite fait, comme ça oui. Je suis tranquille et voilà. Faut faire un truc avec les sauts en parachute avec Happy Travel. Ok. Genre, alors après je sais pas parce que la Théo, je pense qu'il peut pas compter sur Jack en termes de pilote. En fait, ça serait dingue qu'il y ait beaucoup de monde qui saute d'un coup, en fait. Et il faut beaucoup d'avions pour ça. Ah non, faut un avion avec beaucoup de place. Ouais. Et du coup, je sais pas si Happy Travel, il a alors, que sa licence d'hélico ou avion, en fait. D'ailleurs, est-ce que c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. C'est deux non, c'est deux licences différentes. Mais ça serait dingue, tu sais, que les gens qui sont là à l'instant T, voilà, et que d'un seul coup, il y a plein de gens qui descendent. Bah, après, il faut le pilote, les pilotes en question, mais c'est surtout les parachutistes. Ouais, qui c'est ça. En fait, je me dis qu'il y a une possibilité, du coup, que les premiers qui arrivent sur place, au lieu de les transporter en bateau, on fasse un convoi groupé avec le public qui saute en parachute. Le problème... Ouais. C'est que il faudrait pas qu'il y ait la moitié des gens qui soient blessés. C'est ça. Ouais. Parce que sinon, l'autre possibilité qui serait cool, ça serait de parachuter tous les artistes. C'est ça. Tous les artistes arrivent en même temps en parachute, ça serait hyper cool. Ouais. Mais c'est hyper dangereux là où je veux le faire. Si je peux avoir le lieu, c'est hyper dangereux. Et si je perds les artistes au début du concert. Ouais, tu veux faire ça quand? Courant de l'été. Alors. Idéalement, j'aimerais bien faire ça le 6 juillet.
Et si j'arrive pas, ouais, c'est proche. Si j'arrive pas à organiser ça d'ici, enfin si j'arrive pas à avoir le lieu assez vite, parce que je voudrais une vraie campagne de pub. Avant, il y a quelqu'un qui m'a demandé un truc. Je le ferai le 20, parce que le 14 juillet, enfin le week-end du 14, je serai pas là. Oui, je pense qu'il y aura plein de monde pas là. Parce que après, ça peut être aussi un entraînement. Les artistes, ils s'entraînent, enfin, tu vois, enfin. Oui. Oui, oui, oui. Ou alors, ça peut être vraiment des gens, enfin des gens. Oui, ça peut être des animaux, Wendy. mais genre. Sauter avec genre, un petit lapin. Mais non, mais tu sais, des gens pas payés pour, parce qu'on va pas les payer. Enfin, tu vas pas les payer, mais spécifique pour ça, tu vois. Je sais pas. Je peux essayer de contacter l'ASA. C'est une association de sportive. Le saut en parachute, c'est sportif. Ouais. Bah ouais. Moi, je pense que je vais faire et dire voilà, on aimerait faire un peu un truc un peu visuel, un peu sympa et avec un, je sais pas, par exemple un parachute un Jack doré ou ouais, doré ou tu vois, enfin. Allez, on va faire ça. Et demander à des gens un peu experts en la matière et bah ça fera rien de plus, mais ça fera joli, ça animera le truc. Ah oui, mais c'est ce qu'il me faut. Moi, je veux des trucs jolis, des trucs qui pètent un peu, des trucs visuellement impactants. Ou auditivement impactant, mais impactant quoi. Je veux des trucs impactants. Mais c'est une bonne idée. Saut en parachute groupé. Et du coup, c'est. En fait, plus il y aura de monde, je pense qu'il va sauter en parachute, plus ça sera du coup impressionnant. Ouais, après. Mais du coup, ça dépend aussi du lieu. Combien ils sont. Si tu dis, par exemple, plateau de cinéma, je dis n'importe quoi. C'est trop vite, plateau de cinéma, tu vois. Bah, en fait. J'ai un autre problème, c'est que la surface de réception sera relativement faible et autour, si j'arrive à avoir ce que je veux, c'est plutôt de la mer. Ah oui, d'accord. Du coup, à la limite, s'ils peuvent sauter dans la mer sans se noyer, ça peut le faire aussi. Ils sautent dans la mer, ils peuvent même sauter en combi de plongée. Et comme ça, ils sautent, ils disparaissent tous sous l'eau, on pense qu'ils sont tous noyés et hop, ils réapparaissent. Ouais. Non ? Ouais. Non, ça a pas l'air. Bah, par exemple, tu vois, un truc tout bête, quand je me suis mariée, qu'est-ce que j'ai eu besoin de faire ça en été 2022? Mais bon, bref, c'est une autre époque. quand je me suis mariée, en fait, le monsieur arrivait en hélico du Weasel, qui était DRH à l'époque. Ouais. Et moi, j'arrivais par la mer, en fait. Ok. Et du coup, je montais les marches. Bon, j'étais terrifiée en haut pied, j'ai paniqué. Mais en fait, à la base, mes témoins, on avait deux, enfin, on avait deux chacun, ils voulaient arriver en hélico, en parachute. Ok. Ah, moi je te le dis, hein, si j'avais fait un mariage, je serais arrivé en parachute, hein. Directement sur l'hôtel. Bah voilà, et en fait, j'avais dit, c'était Selena à l'époque, j'avais dit à Selena, écoute Selena, moi j'ai besoin de toi le jour J, enfin c'est pas que je te fais pas confiance, mais en fait il peut arriver n'importe quoi, et c'est moi qui ai dit, bah non, au pire, Jay arrive en hélico, sans parler de parachute, mais il arrive en hélico, et voilà quoi. Mais pareil, enfin je repense à ça, si par exemple le parachute c'est pas possible, ça pourrait être un truc sympa du genre, les artistes peuvent aussi arriver en hélico, hein, tout simplement. Hein. Bah j'y ai pensé à ça, plutôt que de les faire, de les déplacer par bateau, les faire arriver, parce qu'il y a, pour le coup, il y a carrément une piste d'hélicoptère là où je veux faire. Bah ouais, parce que là tu vois, c'est ce que je disais, je suis avec des proches, je dis putain moi j'en ai marre du vélo, alors oui, plus magique c'est sympa, mais... Il y a tellement d'autres coins sympas en ville, putain, mais changez un peu, quoi. Enfin, bah, j'ai rien contre Coco, ouais. Enfin, j'ai rien contre l'organisation, tu vois, mais c'est chiant, quoi. Bah, moi, alors, c'est un peu ma solution. Alors, ma solution de secours, si j'arrive pas à voir ça, ça serait peut-être de louer le bus du Yellow et d'aller le mettre à un endroit un peu bizarre. Ouais. Enfin, sachant que le bus du Yellow passe pas partout. Ouais, je sais, mais de toute façon, je vise des endroits à l'espace aérien dégagé, donc ouais. C'est... Mais l'histoire de... après, je sais pas, mais tu vois, j'imagine, je sais pas, une musique un peu, pas mystique, mais pour faire ramener les artistes, tu vois, un par un, je trouve ça hyper, hyper fun. Et là, du coup, tu peux faire appel à Happy Travel, qui lui fera des allers-retours à chaque artiste, en fait. Ouais. Ouais, complètement. Parce que je suis sûr que Théo, ça lui plairait de faire un peu bouger, entre guillemets, Happy Travel. Lui, il adore piloter. Ouais, faut voir. Ouais. Soit, du coup, soit le saut en parachute groupé, mais je pense que c'est très risqué.
Surtout que ça m'embêterait que tous les artistes se blessent. Parce que juste un truc con, pour ce qui est de la mer, les taxis n'ont pas de bateau. Ils ont que des voitures, ou des voitures limousines et tout, ils n'ont pas de bateau. Oui, mais j'ai quelqu'un qui va me prêter son bateau. Du coup, il y aura un taxi sur place qui fera les allers-retours en bateau. Parce que ça pourrait être sympa, effectivement, au lieu de faire des navettes en taxi, faire des navettes en bateau. Ça sera des navettes en bateau. Bah, voilà. Si j'arrive à avoir le lieu, toujours. Sinon, ça sera sur la Terre. Sinon, ça sera chiant, mais... Et mon deuxième plus gros problème, si j'ai pas le lieu, c'est qu'il faut que ça soit un endroit sympa, donc... qui change de d'habitude, mais... pas trop loin non plus d'un parking pour que les gens et idéalement un parking gratuit pour que les gens puissent poser leur voiture. C'est ça qui est relou. Sans me dire le lieu, mais c'est dans le nord ou c'est dans le sud? C'est dans le sud. Parce que je me dis, j'ai peur que dans le nord il y ait beaucoup moins de monde. Alors je vois qu'il y a beaucoup de monde quand même au Yellow là, donc. En fait, il y a plusieurs paramètres qui vont faire que en fait. Je suppose que tu as regardé les dates, qu'il n'y a pas de changement de gouvernement, machin, parce que tu vois, ce soir, je pense qu'il aurait pu y avoir beaucoup plus de monde à la marche. Mais je pense que les gens. Tu penses que les gens sont intéressés par le gouvernement? Surtout non, les mairies. Mais tu vois, par exemple, Calvin est arrivé après parce qu'il voulait aller soutenir Scotty. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça, tu vois, indirectement, même si tu t'en fous un peu. Mais voilà quoi. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres événements en même temps, quoi. 4 semaines, 6 semaines, non, c'est bon. On pouvait se foutre de la gueule de Gabriella et Ashgal à l'époque, quand ils avaient teasé, tu sais, un des events un peu mystérieux, un peu limite sadomaso, comme certains disaient. Et au final, d'avoir teasé comme ça, c'était hyper fun. En fait, les gens se sont posés plein de questions. C'est là où j'ai vu que la mano était venue. C'était un des premiers events où je voyais la mano venir, en fait. Ouais. Parce que les gens étaient curieux en fait. Légion aussi qui a fait ça. Ouais. Mais je vais pas avoir le temps de teaser beaucoup si je le fais le 6. Bah c'est ça. C'est pour ça que je te demandais la date en fait. Bah en fait j'ai prévu une campagne de pub sur 2 semaines intensive pour que les gens puissent pas dire j'ai pas vu l'affiche. Mais ouais, teaser j'aurais bien aimé mais. Un prochain. Ouais. Ou pas. C'est quoi? C'est mon dernier événement, c'est celui qui pète. Pourquoi c'est ton dernier événement? Bah parce qu'après j'en fais plus. Pourquoi? Ah, je vais pas gâcher la surprise, ça serait dommage. Non mais dis pas que tu pars. Ça serait dommage de gâcher la surprise. Oh non mais dis pas que tu pars, mais tu me fais chier plus là, putain. Après on s'étonne, mon petit Wendy, pourquoi tu déprimes? Bah Nico qui est parti il y a 3 semaines, enfin c'est bon quoi, merde. Ah, mais après il y a le gouverneur qui me dit Madame Wendy, faut sortir de chez vous si vous voulez faire des nouvelles rencontres. Oui bah c'est quand même pas les anciens, je suis désolée. Il y en a des biens, il y a des gens qu'on rencontre. Moi j'ai rencontré des gens chez BAT où c'est des gens qui viennent d'arriver et ils sont vachement bien. Par exemple à la mairie j'ai rencontré Donovan Martel et bah je l'aime beaucoup. J'ai rencontré d'autres gens à la mairie d'ailleurs que j'aime beaucoup. Bon, après, je les connais moins parce que j'ai moins l'occasion de les croiser. Mais globalement, les gens de ma mairie, tous les conseillers que j'ai eus, j'ai pris beaucoup de. Enfin, voilà, il y a des gens bien. Après, il y a forcément pas tout le vécu derrière. Oui, quand on connaît des gens depuis 2 ans, forcément. Bref, allez. Pour l'instant, t'es pas parti. Et du coup, il faut que ça pète. Ouais, je comprends. On peut pas demander un lot de confettis. On peut pas demander. Alors, faut que j'arrive à avoir Parnasse, mais je veux demander un feu d'artifice. Après, je suis pas sûr. Je vais voir ce que je peux avoir, mais feu d'artifice. Sinon, je vais faire chez le gouverneur. Je vais dire gouverneur, j'ai une petite proposition, s'il vous plaît. Je peux pas vous dire le pourquoi du comment. Mais pour un grand event. Oh putain, je vais chercher le gouverneur. Je vais l'appeler. Je l'appelle, attends. je vais le chercher. Mais tu vas lui demander quoi? Attends, parce que. Je vais lui demander des confettis. Ah. Et des paillettes. Il va me haïr, je pense. Allez, je te rappelle. Allez, ça marche. Ouais, je savais pas quand vous pouvez gagner à la machine. Oh, c'est le retour des Daft Punk. Qui avait gagné 2 millions, je crois, à la machine à sous. Là. Ah ouais? 2 millions à la machine à sous? Ouais. Bah, nous, on en a un qui a gagné 250 000 déjà à la machine à sous. Ah, c'est pas mal, ouais. Bah, ouais.
surtout quand t'es nouvel arrivant. Ah oui, ça vaut le coup, oui. Est-ce que du coup il rejoue tout le temps et il repère tout son argent parce non, qu'il croit que ça arrive est... souvent. Non, je crois qu'il est raisonnable. D'accord. En fait, moi et Parks, on est la team froid et vous, vous êtes la team chaud. Comment tenues. Ça ah, ben, ah oui, 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 ah oui. Bah, on est moi j'ai un t-shirt nous, rouge quand même, nous... c'est chaud le rouge. Ouais. Ouais, mais enfin, t'es en manteau quoi. Ah oui, t'es d'accord. Ah oui, je pensais, oui, oui, oui. Ah oui, oh. Mais je fais de la moto alors c'est mieux quand même d'avoir un cuir. Oui. Ouais, je fais moto-voiture. Je comprends pas pourquoi on met de la peau pour se protéger la peau. La, bah, parce que la, du coup, c'est la peau qui prend plutôt que la peau. Ah bah oui. C'est de la peau morte qui prend à la place de la peau vivante. C'est comme si on mettait des ongles tout autour de nous. Yes. Imaginez des vêtements en ongles. C'est un style qui a pas encore été. Il n'y aurait pas une raison à cela. Ouais, je pense. Hein. Ouais. Bah, mais bon, avec la haute couture, on sait jamais. Voilà. Ouais, 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 c'est vrai. Je suis en train d'essayer de rédiger en même temps le document là. Trop de coups de fil et en écoutant la musique. J'arrive à côté d'Azel, je dis Madame Turner. Pas de réaction. Azel. Ah oui, d'accord. Ah, c'est. Attends, ça fait un moment qu'elle est mariée. Hein. Ah oui, oui, c'est un problème oui. Si elle répond pas à son nom. Essaye Lewis. Si tu lui dis Lewis, ça va Lewis, réagir. Ça me là, ce sera un autre problème, oui. Ah, il y a peut-être. Ah non, moi c'est Turner, c'est pas Lewis. Non, mais... non, non, elle dit pas ça. Quand elle appelle Madame Lewis, elle dit pas c'est Turner. Ah oui? Oui, je me suis dit, parce qu'elle est toujours inscrite au nom de Lewis sur mon téléphone. Donc tout à l'heure, je l'ai appelée, je lui ai dit Madame Lewis, elle m'a dit oui. Moi, je crois que le plus vieux nom que j'ai qui a jamais changé, c'est Héloïse Naël. Je l'ai au Weasel. Voilà. Bah, moi, c'est Alan Monsieur Tenant. C'est qui? Ouais, l'ancien docteur. Il y en a qu'un ici qui va me connaître. Ah ouais, d'accord. Alan Tennant, c'est le... Ouais, c'est, il était docteur, oui. C'est, il était psy. Une fois, j'ai fait psy pour lui. Alors que c'était lui qui devait faire psy pour moi. Ah, c'est terrible, ça. Ouais, on avait échangé les rôles. Et du coup, c'est lui qui a payé à la fin? Ah bah hélas, non. Essayez de vous garder quand même la scène en vue. Bah, il a quitté, c'était le petit ami d'Olivia. Ah ouais? Ouais, Olivia Nash. Oui, j'imagine. Je connais pas d'autres. Ah bah voilà. Olivia Ruiz, bien sûr. Ouais. C'est un autre domaine. Je regrette de ne pas avoir fait suffisamment appel à ses services à l'époque. Peut-être que j'aurais été à Nash moins dans la merde. Non, à Monsieur Tenant. Il était psy. Il était bon. Ça me fait penser, j'ai croisé j'ai vu lundi Scott, il m'appelle. Ah, il va. Oui. Eh ben, bonne nuit. J'ai chaud, moi. Ah oui, avec ça, t'as comme chaud. Non, mais le soleil, il tape fort. Mais heureusement que t'as pas mis un cuir. Hein? Heureusement que t'as pas mis un cuir du coup. Bah oui. Et avec ton maillot, tu fais toujours ton tour en cache. Hein? Ah oui, tu te rappelles pas, after de René une fois, t'avais fait un tour avec une hache qui te transperçait, c'était incroyable.
Ah oui. Attends. Ah bah c'est fini la musique. Ah, merci. Ouais, Neige sait faire des tours de magie. Et rebonsoir. Et bonsoir. Et bonsoir. Ah, comme ça. Ah oui, oui, effectivement, ah oui. Eh, t'as vu ça? Sacré tour de magie. Avec un fil. Oh putain. C'est un fil de pêche. Ah, merci. Elle est magicienne. Et oui. Pardon. Elle est magicienne. Et comment je faisais l'autre truc déjà? Je me souviens plus. Les élections sont passées complètement à la trappe. Il n'y a pas une seule brève, il n'y a pas un truc pour dire. Il y a eu un bandeau, mais c'est tout. Le goût n'annonce rien. Je demande aux artistes qui ont participé ce soir de monter sur scène. Ah, bah c'est pour toi, c'est pour moi. S'il vous plaît. La photo. Merci beaucoup. Bon, ça va bien, vous sinon? Oui, ça va. Merci à Neige. Ça va. Merci au Daft Punk. Et merci à Coco. Merci à Coco, oui. Hâte de voir ce que ça va donner dans les prochaines. Let's go. J'espère que vous avez passé une super soirée. Oui. Oh bah. Merci. Même chose que d'habitude, hein. Ah, au sud, oui, mais c'est au nord, surtout que ça m'intrigue. Bah, la même chose que d'habitude, hein. Non, mais oui, oui, mais j'ai hâte de voir le BCSO se trimballer en voiture électrique. Moi, là, je payerais beaucoup pour voir ça. Il me parle d'être secouru par deux hélicoptères. Ah ouais, aussi, ouais, les deux hélicoptères qui viennent. J'ai hâte. Monsieur Parks, je suis en colère. Ah, pourquoi? Comment ça se fait que cette superbe information qui vient de me venir dans les oreilles ne me soit pas venue dans les oreilles avant? C'est terrible, ça va à une vitesse. Bah tout Weasel est au courant. Comment ça? Bah oui, il l'a su par le Weasel. Du coup, je vais lui envoyer un message. Non mais surtout, personne n'est au courant, ça va pas du tout. Le bouche à oreille, ça va vite, hein. Weasel est au courant. Moi, j'ai pas toutes les aspects encore. À partir du moment où Weasel est au courant, je pense que ça va. Non, mais il est au courant. C'est-à-dire que, à part Neige, je pense, personne n'est au courant, à part une autre personne qui l'a appris là pendant le concert, donc. Ah bah. C'est. Lid vient de l'apprendre ce soir de Jean de Weasel. Mais c'était mon coup de téléphone de tout à l'heure en plus, alors. De quoi? Ah bah. Bah j'ai l'impression en tout cas. Ou alors. Moi, je vais envoyer un message du coup. Bah si c'est ce que je pense. Bah, ça peut que être ça. Ouais, ça peut être que ça, oui. Tu es au courant, Isaac? Ouais. Bah non. Oui, non, non. Bah non. Terrible, ça. Voilà. Hop, envoyé. Tu peux avoir l'information par SMS pour être sûr. Oh, franchement, ouais. Ah c'est le début de soirée, donc, tu peux avoir l'information par SMS pour être sûr de quoi on parle. Ah, c'est clair. Ah oui, non, et puis des fans sur la console. Là, ça me paraît un peu rapide. Le bouche à oreille, je veux bien, mais. Ah, oh, putain. M'en parle pas. Bah, surtout si ça date d'une heure, hein. Ça date de 15 minutes, surtout. Ah oui, d'accord. Ah bah oui. Attends, mais. C'était le début des. Enfin, je suis revenu. Les Daft Punk étaient en train de chanter, ah, donc. L'enchaînement fusillade, l'enchaînement municipal, l'enchaînement concert. C'est un sacré pigeon, on va aller jeune, oui. Là, j'en ai parlé à ça personne, de moi, tout ce que tu m'as dit il y a 15 minutes. Hein. C'est ça. Ah ça encore. Ah non, ça va, c'est tout va bien alors. Ah bah oui, non, c'est ça. Ah oui. Oui, effectivement, oui, je comprends. Ça fait des mois et des mois que je te demande des nouvelles, tu me dis elle est malade. Oui. Même pas, c'est pour ça. Oui, il fallait que j'envoie un message, mais le problème c'est que je l'ai pas encore croisé moi personnellement. C'est-à-dire qu'elle est à la villa, mais voilà. Oui, mais bon, c'est pas possible de la Yana. Elle va aller mettre son téléphone et puis voilà. Oui, effectivement. C'est qu'elle est vilaine. Eh oui. Ouais, Yana, c'est toujours ça s'en va et ça revient, hein.
Ok, ça me rassure. Les Weasel, ils ont pas plutôt l'info pour le nombre de votes. Oui, alors. On a une réunion journaliste que je peux pas esquiver. Ça serait une info, voilà, j'aimerais bien de la part du Weasel. Là, je sais pas, parce que, apparemment, c'est pas bah, d'habitude, ils donnent les infos en direct, mais là, il y a même pas la, le, enfin, le résultat est passé en bandeau, mais il est même pas en bref, il y a pas de. Énorme pourcentage, vous le savez. Il y a ça, il y a. Réunion journaliste. Il y a eu les comparutions des journalistes. Il y a eu. Presque donc, personne. Je pense qu'on aura tout ça demain. Alors que moi, si j'avais été élu, ben, j'aurais instauré un truc qui dit que quand t'es élu, tu dis que t'es élu. Oui, non, mais là, il veut les chiffres. Ah oui, je sais bien. Pas le nombre de votants. Mais les chiffres. Ah oui, non, il les donne pas, c'est toujours Weasel qui les a. Non, mais ça viendra après. C'est... Parfois, c'est pas le. Oui, ça arrive, formel, ça arrive pas forcément rapide. Si, et bonsoir si jamais, moi, je vais péter un câble. Bonsoir. Et beaucoup. Bonsoir. Viens, on discute. Bien. Bon, bah, allez. Bon, allez. Et bah, félicitations à vous quand même. Et puis. Ouais. Et bonne soirée, bon courage. Et bonne soirée, bon courage à vous. Bonne soirée. Ils ont l'air déçus, alors que bon. Bah oui, alors qu'ils ont fait un beau truc, je leur ai dit, et puis c'est pas ouais, grave, ouais. C'est les mois de l'été, il va rien se passer spécial. Oui, puis c'est leur première campagne. Expérience. Il faut qu'ils apprennent à perdre contre Razap. Hein. Bah en vrai, en plus, il peut. Mais non, mais il est énervé aussi parce que Portalis s'est pointé devant lui et lui a dit oh putain, je pensais qu'on allait vous mettre une grosse raclée. Hein. Ah, la diplomatie Azap. Joseph, il était pas comme ça. Ah, mais il a. Ou alors, ouais, il cachait bien son jeu. Ah, bah, à force de gagner, hein, on devient arrogant, hein. Oui, il est particulièrement, hein. Mais bon. Bah, il est devenu, ouais. C'est ce que j'ai remarqué pendant cette campagne, ouais. Bah, après, quand tu sais, t'as même pas de programme et tu passes. Hein. C'est vrai. Le programme, c'est on va faire comme d'habitude. Bah ouais, donc autrement dit, en fait, bah on va rien va changer. Bah en gros, voilà. Il faut admettre qu'il le fait relativement bien quand même, hein. Mais il fait la gestion basique. Il en a que pour les services publics. Alors. Oui, mais il y a quand même les entreprises à payer, il y a quand même ce genre de choses, il y a les expropriations à faire. Enfin, voilà, il y a tout le boulot, c'est le faire, oui, bien tout sûr. Le boulot classique, mais il fait le boulot classique. Enfin, il fait de l'administratif pur et dur. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'il en est arrivé à un tel point d'arrogance qu'il estime qu'il peut tout faire tout seul et qu'il n'a même pas besoin de maire adjoint. Et il ne délègue rien. Il délègue pas grand-chose. En fait. Le truc, moi, qui me dérange surtout, c'est qu'il pourrait être conseiller et faire le même travail. Il fait pas un travail de maire, puisqu'il fait un travail d'administratif. Il fait un travail de n'importe qui à la mairie. Enfin, moi, je sais que payer des factures, je laissais des conseillers le faire. Ouais, là, ça, il le laisse faire, hein, les conseillers. Bah, il lui reste plus grand-chose, alors. La plupart du temps, le lundi, on a affaire à ces conseillers pour l'aide aux entreprises, pour les paiements de contrats et tout. Ces conseillers le font. Il est tout le temps avec les services publics. Oui, bah après. Bah ouais, mais il n'y a pas que les services publics qui existent. Oui, bah ça après. Ça après. Même problématique, hein. Quelque part, j'ai envie de dire. Il n'a pas fait de programme, donc au moins il n'a pas menti sur non, ses promesses. Non, il mise sur son expérience. Ah ouais, non mais ça. C'est pour ça que pendant le débat, leur manière d'attaquer, c'est ouais, vous arrivez, vous savez rien de ce qui se passe, alors que moi, ça fait un an, je sais tout. Ouais, alors je trouve là, ça assez ridicule quand on sait que Lofton, il a fait exactement la même chose au coup d'avant. C'est ce que j'ai dit. Et qu'il est passé. Alors. Bah justement, Scotty lundi vient me voir et me ressort. Parce que je dis, ouais, je sais pas pour qui voter, franchement, j'adore Joseph, mais là, je suis vraiment pas fan de comment il a géré sa campagne. Et là, Scotty me dit, bah c'est simple, hein, y a une liste, ça fait un an qu'elle est à la mairie et qu'elle fait, et les autres qui savent rien. Je dis, mais Scotty, excuse-moi, hein,
Mais le précédent mandat, t'es arrivé, tu savais quoi de la mairie ? Oui, c'est vrai, tu marques un point. Ah bah oui, oui. Bah ouais, donc ferme ta gueule. Enfin, j'ai pas dit ça, mais ça voulait très bien dire ça, quoi. Ouais, non, je trouve ça assez fort de café. Et quand tu dis ça à Portalis, par contre, alors il le dit pas devant l'offre, bien sûr, il le oui, dit bien sûr. Scotty, hein. Mais il dit, quand je lui dis, ouais, bah regarde, Scotty, il a été élu, il a suggéré la mairie Nord. Ouais, il a suggéré, ça, faut le dire vite. Hein. Ouais. Ah, ça montre une belle unité. Ouais. Ah, ouais, c'est joli. Voilà. Minou, je t'aime. Ça me fait doucement rire. Si j'avais eu envie de foutre la merde, j'aurais pu. Mais, j'ai autre chose à foutre. Ouais. Et puis de toute façon, ça mène pas. Et puis c'est pas forcément utile pour les citoyens en général, hein, que les deux mairies se bouffent le bec. Bah. J'ai envie de dire, ça changera pas grand chose, puisque comme de toute façon, ils font rien de moins. Hein. parce que globalement, si je devais résumer le mandat de Lofton, première mesure, il s'augmente. Ensuite, il fait la course Bénise. Ensuite, il fait 21 champions. Ensuite, il est qualifié, il continue à faire 21 champions. Et ensuite, il fait rien parce qu'il est en campagne et que du coup, il n'a pas le temps de faire autre chose. Pour résumer globalement. Et ce qui m'a sorti aussi lundi, c'est... Putain, si mercredi je perds contre Neige, je me tire une balle. Ouais, non mais... Alors... Parce que c'est franchement la honte de perdre contre Neige, voilà ce qu'il a dit. Parmi... quand j'étais à l'épreuve à vélo, j'étais derrière lui et je l'ai entendu dire à quelqu'un d'autre. Il y avait Buddy Lillard qui était là, qui a fait une blague en disant « Ah, au fait, monsieur le maire, quand est-ce que vous nous payez pour les voix que vous avez achetées ?» Bon, c'était sur le ton de la blague. Hein, oui, avait, bah c'est Buddy, pense, il aime voilà. bien Buddy. Et il a répondu « Ah non, moi je fais pas ça, par contre, pour les gouvernementales, l'autre partie, c'est sûr, ils ont acheté des voix parce que jamais ils auraient pu faire un si bon score. » Donc finalement, il n'y a pas que Portalis hein, qui est... alors que bon... c'est, voilà. C'est sympa la politique. Ouais, c'est une bonne ambiance. Ah ouais. C'est pour ça, faut faire des événements plutôt, c'est mieux les événements. Ouais, au moins les événements, c'est alors amusant. C'est arrivé quand même, mais normalement les événements, les gens se tirent pas trop dans les pattes les uns des autres. Ouais, c'est la trêve. Bah, les événements c'est sympa, c'est festif, donc tout le monde est content. Après, ça peut arriver qu'il y ait des gens qui aient des inimités, mais normalement. Bon, les gens sont quand même contents de faire des événements et de voir des événements. C'est Dagda qui est assis sur le canapé là-bas ? Il me semble. Je connais pas, je sais pas dire. Ok, ça marche. Faudra que tu nous expliques comment rentrer dans la compta, car pour le coup, on sait pas. Ah oui, je crois qu'on n'a même pas créé l'événement. Fallait que je lui envoie un message ou que je l'appelle pour dire que Eliana était revenue et je l'ai pas fait. Elle est partie demander. Je pense, oui, parce que c'est la PAC. Si elle n'a pas créé l'événement, c'est problématique quand même. Elle doit demander combien ça coûte. Tiens, Louisel, ça faisait longtemps. Ah, résultat des élections. Ah, bah voilà. Bah c'est pour le sud. Ah non, 55-54, ah c'est quand même serré, hein. Du coup, j'ai envie de dire chez pour Portalif qui pensait éclater la liste en face et qui est passé à 5% près. Hein. Ouais, c'est pas si mal. Hein. Et puis Lofton pourra peut-être se mettre une demi-balle du coup. Une demi, oui. 51 votants, ouais. Ça n'intéresse personne. C'est vraiment, le Nord. Enfin, le Nord, c'est compliqué. Les élections municipales n'intéressent personne. Les gouvernementales, il y a du monde. Les dernières, je pense même qu'il y a eu beaucoup de monde. Je j'ai pas les anciens résultats, mais globalement, les mairies, tout le monde s'en fout. Et en même temps,
En même temps, quand il n'y a pas de programme, les gens passent quand même. Donc c'est vraiment, il n'y a pas besoin de faire plus d'efforts que ça pour être à la mairie. Ah ben oui. Il y a eu les résultats. Joseph, il a l'avantage. Hein. Il croise tous les nouveaux arrivants. Donc les nouveaux arrivants, ils voient une tête connue. Ouais. Ils disent, on va voter pour lui. Alors c'est vrai. Il croise vraiment plus tous les nouveaux arrivants. Je Plus à l'ENA, mais à la mairie, il doit en croiser encore. Non, il est dans son bureau. C'est beaucoup les conseillers parce que vu les merdes qu'il raconte que quand on fait des LS tours, je t'assure que c'est pas Joseph qui voye. Ça a l'air sympa. Quand parce ils que disent, ça, ouais, c'est les LS tours, hein. Ouais, c'est un tour touristique. Ah oui. Voilà ce qu'il présente à la mairie. Bah non, en fait. Il n'y a rien de touristique à vous montrer des entreprises. Non, c'est pour les mettre en relation avec les entreprises. Hein, pour les aider à trouver un premier emploi, mais bon, c'est accessoire. Mais ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils présentent un truc. Pourtant, le Portalis, il a voulu faire le LS Tour pour voir et tout, comme vous aviez fait. Ah ouais? Mais il l'a fait, du coup. Mais une fois qu'on le fait, c'est bien d'informer ses équipes. Parce qu'ils ne vont pas lire dans sa tête, en fait. Ouais, après, est-ce qu'il les a formés? Il les a peut-être pas formés. Ouais, je pense pas. Il leur a dit faites. Voilà. Et puis après, je peux comprendre que qu'il ait pas envie de le faire parce que. Parce qu'au bout d'un an. Je pense qu'il le fait quand il a l'opportunité, mais comme il a pas d'adjoint, rien, bah c'est lui qui doit tout gérer. Donc ces choses-là, il les laisse faire à ses conseillères. Ouais. Non, il passe sa vie au téléphone. C'était insupportable, il est venu. Je l'appelle, je lui dis, est-ce que j'ai des nouveaux, moi, enfin des gens qui viennent d'arriver en ville et qui, du coup, quand ils regardent ton programme, ils se disent, bah ouais, il est bien mignon avec son programme, mais nous, on n'était pas là, on ne sait pas ce qu'il a fait avant. Donc, il voudrait que tu viennes te présenter à l'entreprise. Il dit, ouais, il n'y a pas de problème, quand? Je dis, bah, c'est à toi de me dire quand tu as un créneau de dispo dans ta campagne. Il me dit, bah, s'ils sont là, moi, je suis dispo maintenant. Je dis, bah, allez, let's go. Donc c'est lui qui propose un créneau. Et est-ce que... Ouais. Il a passé la moitié du temps qu'il était chez nous au téléphone. Oui, on a vu les insupportable. Résultats, oui. Est-ce qu'il a fait une campagne au moins? Parce que ça se trouve, il en avait pareil, il en avait peut-être rien à faire, il a décidé de ne pas faire de campagne. Il est venu pour se présenter, il savait pas quoi dire. Bah, en même temps, il n'a pas de programme, donc c'est compliqué de... C'est-à-dire que c'est compliqué de présenter des choses. En fait, les nouveaux, ils m'ont dit « Mais vous avez fait quoi avant ?» Ils savaient même pas quoi dire. Oui, Sam. Salut. Ah, Carter. Merci. Il tient le coup, hein, son poste pour le moment. Il tient le coup. Tu m'as pas vu? Non, il fait quoi, là, actuellement? Je crois qu'il est sergent, là. Ah. Mais il avance pas. Il régresse. Il fait beaucoup le yo-yo, oui. Enfin, du temps où j'y étais, il fait beaucoup de yo-yo, mais... Ah bah c'est toujours pareil, hein, ça change pas, ça. C'est toujours sergent... Ouais, après, troisième, il régresse, et il reprend sergent, et il régresse, et il reprend sergent. Compliqué. Ouais. Après, j'avoue que le Carter que j'ai connu, je l'aurais pas mis lieutenant. Je sais pas si... Enfin, j'imagine qu'il a évolué, mais... Je l'aurais jamais mis lieutenant non plus, hein. Mais personne ne se dit qu'ils vont le mettre lieutenant, c'est pour ça. Ouais, mais après, peut-être que ça lui va, hein. Peut-être que sergent, ça lui plaît et que... Bah, en 3 ans, ça doit lui plaire, hein. Vu comme ça. Non, mais... C'est déjà parti. Oui, c'est sûr. C'est sûr que de toute façon... Ouais, je me souviens, hein, quand je l'ai recruté, quand il était cadet. Sacrée époque, ouais. Il venait tous les jours parce qu'on avait gelé les effectifs. Et tous les jours, il venait pour être embauché. Ah oui, quand même. Ah oui, donc il était... Il en voulait, hein. Il voulait y venir et il voulait plus lâcher derrière, quoi. Ah ouais, tous les matins, il venait pour voir si c'était fini d'être gelé, hein. Et à un moment, on a dit que c'était bon. Bah, il a fait ça pendant 2 semaines. Ah oui. Je sais pas si ça passerait aussi bien avec le commissaire actuel. Je pense pas. Ah, je pense que... Je pense qu'il l'enverrait bouler et... Ah, ça aurait été un an, hein. Parce que Brian, hein, quand il est revenu, je m'en souviens aussi, hein. Il venait tous les jours aussi pour son dossier quand il avait plus de travail, hein. Ah ouais?
Oui, c'était quand j'étais procureur et il venait voir tous les jours le gouvernement pour voir si son dossier évoluait. Et après, on l'a engagé justement comme enquêteur interne. Ok. Ah, je savais pas qu'il avait fait ça. Je sais qu'il a été gouverneur, commissaire, shérif, recommissaire. Ah ben, quand il est revenu, oui, il a commencé par enquêteur interne et après, il s'est refait une santé, justement, en enquêteur interne. Ouais. Bon, après... Et après, il a été mon enquêteur interne. Ah ouais. Et ça s'est bien passé ? Markel. Oh oui, ça va, c'était pas mal. J'étais procureur à cette époque. Et c'était pas mal, on s'entendait bien. Ah, c'était plus cool que commissaire, hein, quand même, en quittant interne. Oui, puis il y a une histoire de... Il y a une histoire de hiérarchie aussi, parce qu'en soi, ça s'est relativement bien passé quand j'étais maire. Hein. Oui, ouais. Donc bon. Après, hein, des fois, il râle, hein. C'est O'Brien. Oui, bah ça, après, c'est sa personnalité, c'est pas... Bah oui, on changera pas. Oh, mais sinon, ouais, avant d'être commissaire et shérif, ouais, c'était enquêteur interne. Si. Ok. Voilà, on verra. Je sais pas combien de temps encore... C'est une bonne question là, je sais même pas combien de temps, mais ça doit faire un an et demi, non ? Ah, au commissaire, non. Enfin, ça dépend si on compte shérif dedans, mais commissaire, il est arrivé en... C'est une bonne question, mais moi je suis parti en novembre, je crois. Octobre, peut-être. Et il était là depuis, je dirais, 2 mois, 3 mois, quelque chose comme ça, hein, pas plus. D'accord, ah oui. Bah est-ce que... Non, je sais pas comment je pourrais retrouver ça. Mais c'est le... Bah c'est le départ de Nash de toute façon. Hein. C'est vrai, bah oui, c'est à ce moment-là. Donc... Ouais, il est arrivé... Il est arrivé deux semaines après, je crois, une semaine ou deux, mais parce que ça a été... Je crois que ça devait prendre 2 semaines, et puis au commandement à ce moment-là, ils ont un peu poussé pour que... Ouais, je m'en rappelle, ça remonte ça aussi. Maintenant ça va faire pratiquement un an qu'elle est partie. Ça, c'est possible. Ouais, c'est vrai qu'on est déjà en juin en même temps. Ouais, ça passe vite. Je pense qu'elle est partie... Ouais, elle est peut-être partie en juin d'ailleurs. Je pense, hein. Juin ou juillet, mais je pense que c'est juin. Pardon. Ouais, donc ça fait un an, quasiment. Pour lui. On voit ceux qui ont des relations, et nous deux. Ah, super. Ah non, mais c'était un ancien de vos collègues. Enfin, un ancien de vos subordonnés. Ah bah oui, Je dis, ah, je suis avec deux anciens de tes supérieurs. Alors il me dit, bon, alors il y en a un, je l'ai, Catardo. Oui, parce que deuxième, oui. Je vois pas. Jim Pax. Ah ouais, ah d'accord. Eh oui. Oui, bah du coup, le LSPD, je vois quasiment plus personne. Ils sont... enfin, c'est fou à quel point on croise pas le LSPD quand on n'est pas au LSPD. Ah, c'est ça le problème. Ça me rend dingue parce que je l'ai remonté pourtant et en plus c'est lui qui me fait ça et ça m'énerve. Tout à l'heure j'ai croisé les Lost et du coup ils m'ont foutu un joint dans les poches. Je lui dis bah je vais avoir un truc à te donner d'ailleurs que j'ai pas envie de garder et je lui dis un joint, il me dit bah t'as qu'à le jeter à la poubelle. Oui. Je dis mais bah non en fait je vais pas le jeter à la poubelle pour qu'il y ait quelqu'un d'autre derrière qui arrive et qui le ramasse. Ouais, mettre dans les saisies. Ah ouais ouais. Parce que j'ai déjà eu une de mes employées comme ça où elle a été en pourboire, ils lui ont donné des joints. Pareil, elle a été au PDP pour les donner. Et pareil, le gars, il a dit, bah vous avez qu'à les mettre dans une poubelle. Ah oui, d'accord. Oui. Attends, mais tu peux nous commander un taxi, s'il te plaît. Oh, mais meurs pas. Mais non, c'est le pollen, ça me m'irrita. S'il te plaît.
Alors, est-ce que j'ai des taxis déjà? Qui c'est que je vais vous trouver à... Tiens, je vais l'emmerder lui parce que. C'est... Comme ça, va... c'est Kevin, il va vous mettre des paillettes dans vos vies. Je crois qu'elle parle de Dimitri. Dimitri Pollen. Écoute, alors, t'as de la chance si t'as pas de problème avec le pollen. Moi, en ce moment, j'ai envie de mourir. Hein. Du coup, Kevin. Kevin. Ah, pas eu ma blague. Kevin. Hop là. Et du coup, j'avance plus du tout sur mon événement, là. Je sais, c'est mes doigts qui écrivent mal, alors on va chercher comme ça. Kevin. Kevin. Hop, il est là. Appelez. Hein. J'étais en train d'écrire les événements que j'avais prévus. Oh, je vais le goumer. Hein. Oh là 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 là. C'est moche. C'est moche. Intervention. Sinon, il y en a un des deux, deux charmants chevaliers qui peut prendre une voiture aussi. Hein. Bah, vous vous déposez vite fait. Hein. Vite fait, bien fait. Sean. 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 De toute façon, si lui il répond pas non plus, après j'ai plus personne, ils sont tous partis se coucher. Sinon, j'ai un hélico à proximité, ça va vite. Bonsoir Sean, est-ce que tu es en course? Ah bah, incroyable. Et bah, est-ce que tu peux venir au Yellow, s'il te plaît, pour ramener trois personnes que les bus n'ont pas ramenées? Ah! Eh bah, tu sais quoi, tu nous laisses Maggie, on la garde, et puis tu reviens la chercher après. Voilà. C'est voilà, hein. Ça peut se faire comme ça. Et tu compteras ta course en employé taxi, s'il te plaît. Ouais. Non, pas au dépôt du tout. C'est pas du tout des employés taxi non plus. C'est les organisateurs de la soirée qu'il faut ramener au parking de Sandy Shore. Voilà, c'est ça. C'est pour ça. Ça va être vite fait. On va pas te la garder longtemps, Maggie. Attends, il est perdu le taxi. Eh ben voilà votre taxi, messieurs. Ah, merci beaucoup. Bonne soirée. C'est livraison rapide. Eh oui, mais il était aux zombies, c'est incroyable. Bon, Catardo, une idée là, une idée lumineuse d'un truc qui pète à faire pendant un événement. Un truc qui, visuellement ou auditivement, ou mais un truc qui en envoie plein les yeux. Qui en envoie plein les yeux. Bonne question. C'est pour faire un concert? C'est pendant un concert, mais l'idée c'est de rajouter des happenings entre deux. Donc ça n'a pas forcément besoin d'être en rapport avec le concert. D'accord, un happening entre les deux. Par exemple, un feu d'artifice. Et ben exactement, c'est ce que j'allais prendre comme exemple. Je vais demander au Black 4 si je peux avoir un feu d'artifice. Parce que ça pète un feu d'artifice. Ah bah oui, ce serait pas mal. Dans ce littéral du terme en plus, mais je sais pas ce qu'ils peuvent, je sais pas s'ils peuvent et s'ils peuvent, je sais pas ce qu'ils peuvent me fournir en feu d'artifice. Ou alors mais... il faut les fusées éclairantes avec plusieurs participants, hein, s'ils peuvent pas. Ouais, mais ouais, il faudrait de l'organisation et ça serait possible en soi avec un. Ça c'est porté, la technique ouais. Du pauvre, mais... Ouais, mais justement, moi, l'idée, c'est d'avoir des trucs qui pètent en profitant d'être riche pour pouvoir les payer. Parce que c'est pareil, je ferais bien un événement à la Maze Bank, par exemple, c'est super cher, du coup, personne n'en fait jamais. Le problème, c'est que je voudrais un... C'est... Alors, le gouverneur m'a dit 75 000 et 50 000 si c'est une association, mais bon. Bon, ça va, ça passe. Ça passe, mais le problème, c'est que je voudrais un espace aérien dégagé. Bah, notamment, par exemple, pour un feu d'artifice. Ouais, pour le feu d'artifice... Ouais, il faut demander. Mais là, j'ai encore trois trous. J'ai trois trucs que je peux mettre. Ah si, j'ai une idée, il y a ça...
J'ai une idée, Neige. Qu'est-ce que t'en penses? On rase l'île et on va vivre ailleurs. Non? Bah, on peut vivre ailleurs sans raser l'île. Hein. Mais raser l'île, au moins, ça fait. Bon, tant pis. Non. Une idée qu'on m'a soufflée, hein, ça vient pas de moi. Parce que je pense que c'est trop dangereux, mais. Sur le lieu, que j'aimerais bien, un saut en parachute groupé. Oula! C'est-à-dire plein de gens dans un avion, j'ai et puis. J'ai déjà pensé, mais le problème, c'est qu'il va falloir que tu prévois une. Des ULSES et BSES. Oui. Bah, une partie de la population qui va sauter et qui va se rétamer. Alors, bah ouais, du coup, c'est le problème. Soit, qui va sauter? C'est la grande question. Première possibilité, le public. Les premiers arrivés sur place, au lieu de partir en taxi avec les autres, ils partiraient en avion, par exemple. Et paf, ils sautent et on leur demande d'atterrir sur place. Mais je pense que c'est super dangereux. Ils ratent le concert. Ben c'est ça, je pense que c'est un peu dangereux. Deuxième possibilité, qui est pas mieux, hein, les artistes. Tous les artistes arrivent en même temps en parachute, c'est incroyable. Le problème, c'est que si je perds tous mes artistes d'un coup, mon concert, bon... Moi, je peux te garantir que je vais pas me planter. Ouais, mais voilà. Billy, Francis McDonald's. C'est qui Billy d'ailleurs? Billy Espin? Oui. Incroyable, elle chante, je savais pas. Je la rajoute sur ma liste des gens à contacter. Tu savais pas? Bah, je crois pas, non. Je l'ai jamais entendu chanter, Billy. Ah, si, peut-être un. Tu connais pas MC Daron? Non. Voilà. Ah, j'ai pas rajouté d'ailleurs. Attends, il m'a pas répondu, mais il y a un ancien du LSPD qui chante. Je vais voir s'il chante toujours. Non, il y a un mec du LSPD. Parce qu'il est pas ancien, je pense pas, à moins qu'il soit fait virer entre temps. Que j'ai formé juste avant de partir. J'ai vu un concert. C'est peut-être mieux le feu d'artifice. Feu d'artifice. Bah, c'est bien, mais c'est pas mieux. Il me faut les deux. Il me faut plein de happening. Il m'en faut. J'ai encore 3 trous là. Et je crois que j'ai mis le feu d'artifice dedans. Je vais vérifier. Oui. Donc il me faut 3 trucs de plus. Le truc, c'est que le saut en parachute groupé, ça peut en jeter visuellement. Après, alors, ce que j'avais pensé, éventuellement, si j'arrive à voir le lieu que je veux, c'est qu'on fait sauter des gens en combinaison de plongée. Comme ça, ils peuvent sauter, n'atterrir pas sur le lieu même, mais à proximité dans l'eau. Ne pas se noyer. En s'empêtrant dans le parachute ou j'en sais rien. Et derrière, ils remontent sur le bateau et paf. J'en ai trop dit en disant bateau. On va faire plusieurs essais alors, hein. On peut faire des essais, on peut faire des essais. Ce serait mieux, oui, pour le jour J. Qu'est-ce que t'en penses, Neige? J'en pense que c'est une bonne idée de merde, le saut en parachute. Tu crois? Même avec tenue de plongée et tout? Mais tu sais que tu peux te rétamer en parachute sur l'eau. Bah, compliqué quand même, non? Si ton parachute il est ouvert, tu peux pas te faire mal sur l'eau. Si? Tu peux te faire mal sur le sol, donc tu peux te faire mal sur l'eau. Faut faire un test, hein. Oui, non, mais au parachute, tu te fais mal sur le sol si tu te prends un poteau, si tu te prends une rambarde, si tu te prends une balustrade, si tu te prends le sol en ayant bien plié les genoux, tu te fais pas mal. Oui, mais le problème, c'est que les gens, ils savent pas forcément, tu vois. Alors, du coup, pour le public, c'est chiant. Mais pour les artistes, c'est faisable. Bah, faut leur faire travailler ça, alors. Ouais, si faut qu'ils s'entraînent, travailler, oui. Maintenant, faut aussi pas qu'ils se rendent dedans en même temps que de faire le saut en parachute et donc qu'ils soient tous bien séparés. Ouais. Et qu'ils n'oublient pas le parachute. Oui. Oui. Oui, ça serait mieux parce que là, pour le coup, je pense que l'eau, ça ferait mal, oui. Et surtout, s'ils vont dans la mer ou sur le lac, tu leur dis mais séparez-vous bien quand vous atterrissez. Enfin, amerrissez. Oui, bah dans ce cas-là, faut que... Ouais, enfin, c'est pas facile. J'ai l'air, faut qu'ils aient tous une cible, mais c'est pas facile de viser juste quand on n'est pas habitué. Ouais, tu penses que l'idée est pas si ouf? Moi, j'aime bien, mais... Bah, généralement, sur le parachute, il y a 50% de risque, oui. Oui, mais... Sur des endroits compliqués, ou sur des... Enfin, je sais pas. Ah non, random. Ah ouais? Peu importe, hein. Les gens mais se blessent. Tu leur expliques. J'ai jamais eu un seul blessé sur un saut sur une formation parachute, alors que pourtant j'en ai fait un paquet au LSPD. Bah, t'as de la chance.
Bah, j'explique aux gens comment faire, ils font comme je dis, et paf. Et pas paf, justement. J'ai pas paf. Pas paf paf. Bah, je sais pas, écoute, étudions la chose et voyons avec les artistes si ça les intéresse déjà. Mais Ouais. Oui, si ça difficile, les intéresse, en fait. Il faudra des entraînements, oui. Moi, j'ai aucun souci, tu vois. Soit en parachute, je gère. Mais pour les autres... Tu seras là, toi, de toute façon. C'est quand, déjà? C'est soit le 5 juillet, soit le 19 juillet. Le 19 juillet? Bah, j'aimerais bien le 5, si j'arrive pas à faire le 5, ça sera le 19, parce que entre deux, je peux pas. Je prévois ma soirée le 17 ou le 19, donc... Ah bah non. Bah si. Ah bah non. Bah si. Ah bah non. Bah si. La soirée de quoi? De là, sur l'île? D'anniversaire. Ah bah quelle idée aussi d'avoir un anniversaire à ce moment-là. Bah ouais, quelle idée. Et bah on fêtera ton anniversaire en même temps. Voilà, ça sera un happening. Il y aura un gâteau, des bougies, un petit feu de Bengale qui fait pif sur le gâteau. Jim, je vais faire une chorale. Et bah. C'est. Concert de rock metal. On fera une chorale, on chantera ouais, sur ton chemin tous ensemble. Non, mais putain. Mais... Non, c'est pas ça. Ah bah non, ce sera Sister Neige. Bon, bref. Non, bah, je sais pas. Non, parce qu'en plus, je vais avoir besoin d'une personne à la toute fin du concert. Pour récupérer le micro et le rendre au Black Cat. Parce qu'il est possible que parmi les happenings, il y a un happening où je quitte le concert. L'happening, c'est tu quittes l'île en avion en disant « Salut mon pote !» Bah oui, l'anneau il disparaît, on connaît l'histoire. Il va y avoir un volcan terrible. L'happening, oui, c'est... et voilà. Je suis là, hop, je suis plus là, hop. Et on sait plus où il est. Du coup, comme je pourrais pas participer à la toute fin du concert, c'est pour ça qu'il faut bien que je prévoie ma programmation aussi, parce que je vais rater. Faut que je rate quelqu'un ou c'est moins grave. Tu peux pas garder le micro? Non, c'est des locations les micros. Oui, c'est. Il faut toujours le rendre à la fin. Oui, il faut toujours le rendre, on est d'accord, mais. Bah après. Ouais, non. Non, mais il y a des trucs. Ah. En vrai, c'est plus pratique si. Au pire, je demande au taxi de les récupérer et je m'arrange avec eux, mais. Oui, il y a Charlie, justement. Ouais, on verra. Parce que de toute façon, les taxis doivent ramener les gens, donc les taxis sont théoriquement les derniers sur place. Oui. Donc ils peuvent récupérer le micro. Mais. Ouais. Voilà. D'ailleurs, elle est partie. Elle nous a oublié. Elle est au téléphone, là-bas au fond, toute petite. Je l'ai envoyée prout. Je pensais qu'elle était partie. Non, eh ben non, on n'a pas discuté encore. On avait discuté justement pour l'événement de comment faire ça. Ok. Une autre idée qui pète. J'ai pas d'idée qui pète là tout de suite. Truc incroyable. Et légal si possible, parce que c'est pareil, on pourrait faire passer des bateaux autour du lieu avec des gens qui tirent à l'AK, ça serait incroyable, ça serait du jamais vu, mais c'est pas une bonne idée. Un concert mobile, tu loues le bus qui fait le tour sur l'autoroute. Ouais, et du coup personne peut l'entendre. Non, parce que si, l'endroit où les gens regardent le concert, c'est sur des journeys. Waouh, c'est... Parmi les merdes, d'accord, t'es quand même sur un niveau. Eh, il y en a là-dedans. Hein. Je te rappelle qu'on s'est blessé en roulant à 50 km/h. Oui, mais c'était à Davis Quartz. Ouais, mais d'accord, mais ça veut dire qu'une personne tombe d'un journey, il y a 20 journées qui lui roulent dessus. Mais non. On fait rouler un journey à gauche, un journey au milieu. Et le camion de festival. Ah, en fait. Donc on a 10 personnes max au concert. Allez, 20. Parce qu'on peut mettre. En bourrant les journées, on peut en mettre 20. Mais.
Bon, bah, on rajoute deux chenilles. Et un hélicoptère. Bah, en vrai, c'est rigolo. Mais c'est pas. C'est rigolo, mais je suis pas sûr que ça soit. Pas très pratique enfin, pour ouais, le. Voilà, tout le reste. Exactement. Non mais par contre oui du coup louer le bus ça sera je pense ma solution de secours si je peux pas avoir mon de louer mon lieu favori que j'aimerais bien. Oh, y a un moucheron qui passe. Un moustique. Il est parti. Ah oui. Les ici sport là. Des vraies mouches. Bon, prout. J'ai sommeil moi. A plus. A plus tard. Ah, à plus tard. Retour. Ah, Charlie revient. Mais elle ne revient pas seule. Du renfort. Ah, salut. Et bonjour, comment ça va? Je suis cané. Oh, faut pas dire ça. Si. J'ai dû le traîner jusqu'ici parce qu'il voulait pas venir vous voir. J'ai pas dit que je voulais dire bonjour. Je comprends, il voulait pas nous voir. Mais c'est... Okay. Ouais, parce que ouais, je voulais pas. Ouais. Des vieux et on veut plus voir les fatigué, vieux. Fatigué, Neige. Non, c'est pas vrai. Oh, bon, bravo. Hein. C'est